Voilà, ça va pas le faire. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous devriez m'entendre. Ouais, ça devrait être bon. Non. Wow. Ouais, désolé, je pensais démarrer 1 heure plus tôt, mais finalement, à force de gérer plusieurs petites choses, ben en fait ça vous bouffe une grosse portion de temps. Désolé. J'espère que vous allez bien, c'est l'essentiel. J'aime pas regarder si ma webcam était cadrée, j'ai lancé, mais alors de manière presque sauvage, j'ai envie de dire. Ah. Oh mon Dieu. J'ai pas l'impression d'avoir mon retour son au niveau du jeu. J'ai ma voix. Oh. Oh là là, les voisins sont terribles. Ah oui, j'en étais là. Ah non, j'entends pas le son du jeu. C'est pas normal. Oh, par contre, je fais bien le snipe. Je fais bien le snipe. Pourquoi on n'entend pas le son du jeu? Ah, j'ai merde pas. Bougez pas. Déjà, je vais remettre la webcam en plein écran. Oui, mon cadrage est parfait. Enfin, il est très bien. Bon, il y a un petit peu ma tête qui est quick, mais bon, c'est pas grave, ça. C'est pas un souci. C'est le son qui va pas. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis trahi par le son? Ta ta ta. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre autant qu'étrange. Pourquoi cela? Attendez, je vais vérifier les paramètres. Pour moi, il n'y a que le jeu qui serait fautif. Attendez, je vais relancer le jeu parce que je comprends pas. Si je vous mets du Winamp, vous l'entendez, non? Oui, vous l'entendez. On entend quelque chose. Bah. Pourquoi ça merde? Je comprends pas. Mystère boule de gomme. Vraiment. En fait, c'est un faux départ du jeu. On y croit, mais à coup bon, on va repasser en... Calme, nous sommes en Afrique. Ça, c'est pas une place de snipe. Qu'est-ce que c'est?
Attends, on voit le flingue dans... Non, c'est pas un... Enfin, ouais. C'est pas un flingue, c'est des munitions qu'on voit. Il n'y avait pas du monde qui arrive en face, mais si. Ah si, ouais. Mais il y a lui aussi. Waouh! 4 balles, 4 éliminées. Violence. Ouch. Non, c'est un lustre qui m'a suivi. Non. Je n'y crois pas. Oh, il y a cette berge. Il y a la berge et la barge. Et le bargeau. Wouh! Magnifique. Ça, c'était du saut. Bonjour Nayane, comment ça va? Yébé. Bonjour Torota. Bon, moi j'ai un petit peu de fatigue. Je pense qu'aujourd'hui vous allez me voir plus mou que d'habitude. Mais ça va, je vous rassure, merci. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Donc Nayone, ça va. Torota, j'espère que t'as repris du poil de la bête. Comme on dit par chez moi. Où du Dieu. Le mec il m'a pas fait de cadeau. Ouais, ça va mieux. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien que c'est que ta nuit qui est passée là a été réparatrice pour toi. C'est une bonne chose. Ah là 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 là. Si je peux récupérer un truc sur la berge, c'est pas un truc de caché ou je sais pas quoi. Voilà, je dis la berge, je devrais dire la barge, pas la berge, c'est autre chose. Non, je rentre même dans le décor, il y a pas de physique. Il y a pas de physique, ok, tout va bien. Ah. Bon, alors, du côté opposé, il y a quoi? Ceci est une illusion, messieurs, dames. Citons que. Ah, ça, pour être mort et bien mort, je les ai pas loupés, eux. Vache. En même temps, en étant de là-haut, c'était trop bien. C'était trop bien. Ah, même pas besoin de faire réquisition de leur matos. C'était pas beau. C'était pas beau. Bon, bah je vais me barrer avec un bidon. Ha ha! J'ai gagné un bidon. Burp. Ah, ouais, non, je sais où est le truc qui clignote et j'arrive pas à y aller. C'est là où il y a l'arbre mort à droite. J'y arrive pas. Ouais, c'est ça, tétanos, ouais. Ou saturnisme aussi, à la longue. Oh mon pauvre Nanayone, excuse-moi, mais avec on va dire ma mauvaise gestion d'agenda, je t'ai pas encore proposé de date pour une prochaine promenade. Faudra que je revienne vers toi peut-être durant le week-end, que tu puisses au moins verrouiller un jour. En collision. Oh, violence! J'adore! Attends, ils sont morts? Parce que ça a été violent. Je suis pas mort. Salopard! Ah merde, et puis là, c'est pas la bonne. Là, je suis en danger de mort.
pense qu'ils vont m'abattre quand je serai sur la rive. C'est même surprenant qu'il l'ait pas déjà fait. Coucou. Bonjour, Tunsen. Alors que je ne sais plus jouer, comme d'hab. Voilà, la touche est là. Il commence à faire froid. Ah bah, si tu renonces à celle qu'on avait prévue, voilà. On garde juste la spéciale si on arrive à se trouver le plateau de Malzéville sous la neige. Oh, génial. Je pouvais aligner les deux, qui me dit erreur de flingue. En défaillance, bien sûr. Ils sont pas contents, je crois. Merci pour le clip. Ah, oh, dommage. Ah, puis hey, on a entendu la manière dont ils ont giclé. J'avais bien visé. Dommage. Alors, je suis peut-être pas en top forme aujourd'hui, mais je suis plutôt bon. Donc, ceci compense cela. Ça, ça me fait délirer d'avoir mon bidon bleu, là. Dites une scène qui nous dit sinon vous avez qu'à faire une balade, mais dans la part du sage. Oui, bien sûr. Ah, fous-toi de ma gueule. Aïe, 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 aïe. Bonjour, mes chefman. Aïe, 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 aïe. Je m'en fous. J'aime bien, je m'en fous tellement bien que je vous confesserai que je sais même pas où je vais. Enfin, je reviens plus vers le centre de la carte, puisque... Putain, là, il y a des trucs à faire, il y a un monde fou, là. Là, il y a la guerre à déclarer, là, c'est... Il y a la guerre à déclarer. Ça me plaît. Rien que pour le plaisir de semer le boxon. Évidemment, défaillance de flingue, sinon c'est pas drôle. Voilà, je re-sauvegarde pour dire que c'est passé. Donc le mec, il est là. Hop, disparu. J'avais vu un bidon d'explosifs dans leur installation. Mais je sais plus où est-ce qu'il est exactement. J'ai quoi comme flingue? Je sais même plus. Ah oui, j'étais sauvé, donc j'ai une arme de poing. J'ai l'impression de voir quelque chose, je vais vérifier à la lunette. Oui, c'est bien un mec. Je suis bon aujourd'hui. C'est bien. Alors, un jour, par la force des choses, je finirai par me retrouver chez toi. Oui, un jour, j'aurai le plaisir de t'inviter. Là, en ce moment, c'est pas cool parce que je suis en gros travaux, on peut le dire. Et j'ai des soucis de voisinage, mais liés à, justement aux travaux des voisins. Donc là, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ah! Ça, c'est une bonbonne de... Merde, la malaria. Ah là 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 là. Il n'a pas encore mangé ses mini-shorts avant. Si tu savais ce que j'ai dans ma garde-robe, tu ne sais. Je suis sûr que je te ferais flipper. Mais... Alors vous, tiens, ça pourrait presque faire l'objet d'un sondage au niveau de la culture personnelle, on va dire. Est-ce que vous avez des fringues en double? Moi, j'aime bien parfois m'acheter un double exemplaire. De fringues, parce que je me dis, une fois que le premier sera sale, si je suis vraiment content de porter telle ou telle fringue, je mets le deuxième exemplaire de suite. Je sais pas si c'est vous le faites, ça. Je dois avoir 3-4 t-shirts comme ça en double. Bon, j'ai 2-3 pyjamas aussi, mais les pyjamas ça compte pas puisque c'est dans l'ordre de l'intime. Puis pardon, excusez-moi, on s'en fout. Quoi? Ah, quand une coloc... Eh, ça me déplairait pas, tu sais, Nashevman, tu sais, de faire une expérience un peu à les premières télé-réalités, le loft ou les conneries là, enfin les bêtises là, pardon, pour être poli, avec Nayonet, parce que je serais gagnant à table. C'est un très bon cuistot, donc je sais que je me régalerais.
Rien que là-dessus, tu vois, je signe. En plus, évidemment qu'il est de très bonne compagnie, Nayana, il est adorable. Il est adorable. Ton horloge et ton compteur sont à l'arrêt. Ah, voilà une bonne remarque. Merci, Torota. Ça, c'est moi qui ai fait la bêtise de ma coulisse de ne pas avoir remis au premier plan l'horloge. Et c'est important pour moi, les clips, que je puisse vous les faire. Voilà, si Windows dédaigne vouloir me redonner la main, ce qui n'est pas le cas. Ah! Bon, là, ça devrait être déjà mieux, je crois. Attendez voir. Mon Winamp, il est où? Normalement, je dois vous mettre Winamp au premier plan aussi. Il a disparu. J'ai n'importe nawak. Et voilà, ça commence à s'organiser. Mais qui sont bêtes. C'est vrai qu'ils sont bêtes. Ah. Ouais. Mon hache, ok. D'accord, mais disons les poils tous les jours, moi j'y touche pas. Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant les bacs poubelles. Mon dieu. Enfin, c'est chiant. Oui et non. C'est vrai que c'est quand même bien pensé. Mais ouais, c'est une corvée. C'est une corvée. Mais ouais, encore les bacs poubelles, ça m'enquiquine pas. Oui, joli! J'ai cru que ça allait faire exploser un bateau. Bon, avec ça, je suis peinard. Magnifique. On laisse un petit peu rôtir, 2 minutes, le temps que je vous lise dans le. Tu nettoies la litière de réglisse. Oh, l'autre est. Et dans le dans ton jardin. J'espère qu'il va bien aussi, hein, le sacré réglisse. Aïe, 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 bon, allez. Je vais voir ce qu'ils ont dans le camp qui crame, parce que malgré les flammes, il y a peut-être des trucs qui m'intéressent dans leurs affaires. Ah bah voilà, avec ça, je suis tranquille. Alors, un petit peu de santé sous forme. Oh, j'entends un mec. Je sais pas où il est, mais j'entends un mec. Ah, là, il y a un truc de. J'ai l'air d'énergie, pas du tout. De munitions. J'entends qu'on me tire dessus, mais je sais pas d'où. Le mec, il est en face. Quoi? Sur la rive opposée? Waouh! Alors là, j'ai pas repéré le gars qui m'a zigouillé. Oui, le fauve de chambre va bien. Ah, c'est cool. Et moi, j'entends Réglisse qui miaule. Ah! Il a des choses à dire. Il a des choses à dire. Attends, mais qui c'est qui m'a zigouillé sur la. Visiblement, la rive opposée. Ouais, je me mets là, le gars il me repère. Où est-il? J'arrive pas à voir le mec qui me. Non, je suis derrière les caisses, il me touche. D'accord que là, il n'y a plus rien. Ah oui, il me manque une barre d'énergie. Attends, il est où, gars? Attends, je me découvre tout doucement, mais il faut que je balaye le paysage en face. Ah oui, c'est lui. Salopard! Incroyable, c'est lui qui m'a abattu précédemment. Ah, oh, c'est la folie. Oh, pollution des eaux. Je balance tout en des caisses, ça y est, je me déchaîne. Pollution totale.
Bon, bref. Alors, ils avaient une caisse de munitions qui me plaisait. Oui, alors, pour info, aujourd'hui, vous ne me verrez pas toute la journée. J'ai le plaisir d'avoir une réunion familiale. C'est surtout que je vais enfin revoir ma marraine depuis... Depuis quasiment la 7e pandémie. Enfin, du moins dans des circonstances heureuses. La fois précédente, véritablement, c'était pour un enterrement. Dur. Bref, tout ça pour vous dire, vous concernant, que je vous abandonnerai, je pense, vers les 17h, 18h. Je verrai, puisque c'est un dîner. Bonjour, Poupon. Bonjour, EJ. Oh, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de vous manifester. Oh, j'arrive plus à parler. Enfin, faut dire aussi ma bouche est un peu sèche. J'ai pas encore bien bu mon café au lait. Alors, je ferai pas d'épisode commenté aujourd'hui chez FunFan. FunFan, il a des soucis de santé. On lui souhaite prompt rétablissement et on le retrouvera la semaine prochaine. Alors, ça ne lui empêche pas de passer faire la modération, mais il a besoin de repos. C'est vrai que c'est un week-end spécial. Rien que déjà aujourd'hui, je vais faire de maintenant 10h jusqu'à 18h grand maximum. Ma babouche, oui, c'est ça. C'est une manifestation. Kiki à Poupon. Aïe, 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 aïe. La 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 la. Alors, la carte. La carte du monde africain. Oh mon dieu, je suis entre guillemets que là. Il y a tellement de fleuves à remonter. Alors, je peux aller... Attends, la main, elle me tue. La main du bateau. Je peux... Ah bah, je peux aller au bar des mercenaires, ce que je vais sûrement faire. Sachant que la capitale, il y aurait des missions aussi. Mais je vais faire mercenaire. Mercenaire. Mais de toute façon, déjà, il faut que je remonte toute la rivière, alors... Mon dieu, la chef-man a des choses à avouer. Au bar à 10h30, c'est un peu tôt quand même. Et encore bravo, hein, j'ai revu la photo là, de la quiche Lorraine que tu as faite. T'as remplacé le lait par la crème, ce que je trouve absolument ingénieux. C'est bien. C'est surtout que ça t'est procuré du plaisir, bien joué, Nash. Je suis content parce qu'en fait tu fais, pour moi c'est logique, tu fais honneur aux traditions, à la culture lorraine de ma région, boisée. Et j'ai encore des promenades avec Nayonnais à vous présenter. Alors là par contre je suis intrigué par le radar. Oh, éjection du bateau à cause de l'arbre. C'était un peu violent en arrière. Attendez. Oh, le bordel. Alors, non. Là, je suis mal placé pour débarquer. Il me faudrait peut-être une rive un peu plus accueillante et moins abrupte. C'est quoi, là-bas? C'est un pont ou c'est... Non, oui, ça doit être un pont. Alors, attends. Il y a un truc par là. J'espère que c'est pas la rive opposée. Oh, mais... Le relief qui est accidenté. Nayone... Oula, et Jade. Oula, là, là, là. Ouais, soutien fait fan. Bah, il souffre plus dans le sens que hier il a vu le médecin et il a eu un traitement. Donc là, il est plus à. Voilà, à, on va dire à gémir. Mais il a besoin de repos maintenant. Parce que surtout la nuit précédente, il a fait nuit blanche. La douleur était telle au niveau de son oreille que. Il pouvait pas pioncer et ça, c'est l'horreur. Nashaman dit à Poupon, je vais lancer les prochains directs comme ça, j'ai mis... Ah oui, souci technique. Oula, t'as mis 60 kilos... même moi, je pourrais pas dire à combien je suis, je sais plus. Mais ça m'a l'air d'être lourd.
comme débit. Nayan a dit, j'ai trouvé la cuisson de la quiche Lorraine un peu légère. Ah, alors moi je te dis tout de suite, Nayonès, c'est tel que le faisait mon papa. Et ce que j'ai hérité, on va dire, dans les gènes de mon papa, au niveau du miam, c'est que j'aime pas manger chaud trop cuit. Donc, attends, il est où le truc? Non, il est sur la rive opposée. Ah, puis j'ai la foutue malaria qui fait des siennes. Alors. Merdoum, c'est la rive opposée. Alors c'est bien qu'il y a un moment un peu de flottement sans des tirs dans la jungle, parce que au moins je peux vous lire. Quand vous êtes ultra actif ce matin dans le chat, je vous remercie. Vous me faites une lecture. Enfin, de la lecture. C'était une pour moi, je me suis régalé. Ouais, c'est bien, Nash, c'est cool. En même temps, si tu veux la qualité, j'ai un petit jour immunieux. La chef m'a dit à Poupon, faut que je trouve un juste milieu. Oui, oui, après tu. Oui, tu peaufines direct après direct, Nashevman, tes chiffres. Mon dieu, je me disais. J'ai cru que c'était un réservoir, mais non. C'est un buffle, messieurs, dames. Ah, mais il est beau, ce buffle-là. Je sais pas pourquoi il bouge pas. C'est un mystère. Y a pas peur. Bon, bref. En fait, c'est le buffle qui contient les diamants. Oui, on t'a entendu, monsieur buffle. Mais attends, mais c'est où le truc? D'après lui, ce serait là? Non, mais je vais vraiment finir par croire que c'est le buffle qui... Alors, je suis tout proche. Ouais, bah j'ai plus besoin de tenir comme un eagle. C'est quoi? C'est là ou c'est... Ah, c'est là! Il y a l'air d'avoir quelque chose là-haut. Alors, faut que j'escalade les rochers comme un eagle. Si j'y parviens, parce qu'il y a toujours la joie des murs invisibles, le truc qui n'aide en rien. C'est pas ça? Non, ça c'est des déchets. Bah merde alors. Bon, une fois que j'arrive à accéder à un endroit où il y a un truc à ramasser, je le vois pas. Bon, bah on y retourne. Quoi? Là-bas? Mais où ça, là-bas? Je vois pas le truc. Oui, j'ai passé le truc. Ouais. C'est la première fois comme un ego que je reste collé au terminal. Ah non, c'est sur la pointe du truc. Oh non, mais... Ils ont mis des... Oh là 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 là, on le voit là, c'est nul. Alors, oulala, mais vous m'écrivez de ces trucs, bougez pas. Vous dites quoi? D'accord, un buffle avec une certaine contenance, mais c'est pas un réservoir, oui. Tu l'étonnes, Popon. Nashevman qui me dit, le souci wifi corrigé ce matin, j'ai fait petit test en direct. J'ai remarqué qu'en préparant ma VOD sur Alien, machin, c'est en quête finesse. D'accord, bah, c'est bien. Tac, 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 tac. Oui, Torota, tu as vu juste, c'est plus haut, ouais, c'est ça. La taquette, kéti. Ah, Popon qui chante. Ah, bonjour, JJB, j'espère que tu vas bien. Oh, c'était sympa, tiens. Il faut que je te fasse ta pub, JJB. Il se lance dans la saga des... j'allais dire Solid Snake. Des Metal Gear Solid. J'ai eu plaisir de voir JJB hier soir. J'ai fait mon foufou, j'étais déchaîné. Sur son antenne, il a commencé sur la version des... Je sais plus, les consoles 16 bits, là, la NES ou je sais plus quoi. C'est cool. C'est vraiment cool, c'est sympa pour ceux qui aiment bien déjà les jeux rétro et de deux qui aiment la saga depuis le début. Non, c'était très sympa hier soir chez JJB. Il y avait... J'ai fait mon foufou et l'ambiance était bien... vraiment cool.
Ouais, tout à l'heure, je... Et encore, parce que j'ai envie de dire, entre guillemets, on est que le matin. Mais tout à l'heure, faut que je pense à te faire soit ma pub à moi, à ma sauce, soit, tu sais, les hommages shoot-out de Twitch. Ce sera l'un ou l'autre, de toute façon. Mais non, non, cool, non, je suis content de t'avoir découvert, JJB. Bah, je crois que c'est encore grâce à Aerostar, d'ailleurs. Voilà. Oui, bah oui, c'est l'idée de te faire rire, c'est ça. Moi, je viens, tu sais, en joyeux luron sur les chats des gens. C'est histoire de... On va dire, entre guillemets, d'assurer une double animation. C'est pour ça que j'aime beaucoup... Ah, merci Poupon, c'est gentil. Tu seras pas déçu, Poupon, franchement. JJB, il est adorable. Mince, du coup, ça m'a coupé la chic, je sais plus ce que je vais dire. Oui, bref, oui, j'aime beaucoup aussi être spectateur quand je le peux. Mais j'ai coincé mon embarcation, moi. Et vous me connaissez, hein, faire le foufou sur votre chat respectif. Je peux pas m'empêcher de faire des jeux de mots ou d'éviter des anneries. Parfois quelques anecdotes à peu près pertinentes. Il peut y avoir des accidents heureux. Bonjour Christella, pardon, je t'ai pas salué. Oh, je suis vilain. Alors que t'es arrivé déjà il y a quelques minutes. Cas, j'espère que tu vas bien. Et là, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Mais je ne veux pas. C'était une boîte d'explosifs. Oh! C'est quoi ça? Ah, c'est une ancienne mallette d'un... D'accord. Lui, je l'ai déjà dépouillé. Je l'ai déjà dépouillé. Bah alors. Ah, je me suis coincé. Je lui dis mince, mon perso il saute pas. Ouais, ça va très bien, c'est cool. Moi j'ai un peu de fatigue, Christella. Puis là j'ai démarré tardivement parce que voilà, j'avais différentes choses à régler avant d'allumer la caméra. Mais ça va, hein. Il n'y a rien de grave, soyez assurés. Tant que ça n'a coupé que la chic. Oh, Nash. Oh, bonjour Erika. Waouh, mais vous faites tous l'honneur de passer me voir. Bonjour Ika, bon bah j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aïe 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 là, merci à toi de me rendre visite. Eh bien. Oh le con! Pardon. Il avait un lance-roquettes, il a tiré devant un obstacle et il s'est tué. Elle est bonne celle-là. Ah, attention, il y a un snipe. Merde! Je suis la cible d'un sniper. Barrons-nous! Courage, fuyons! Ah ouais, mais il y a du pop ce matin, c'est un vous rendez un honneur, un plaisir. Merci tout le monde. Ah, alors que je me fais allumer. Non, mais quand je suis un peu suicidaire. Je suis suicidaire. C'est la guerre. Non, je veux pas réparer le. Oh là là, je vais me faire tuer bêtement. Mais eh, prends l'arme, abruti. Mais pourquoi il prend pas l'arme? Elle est devant moi. J'ai enchaîné plusieurs échecs. D'où la manif, dit Poupon. Vous revendiquez quoi? Il y en a un qui part, c'est moi. Bonne journée les gens. A plus Tayonnais, bon week-end. Ah là là. Ah ouais, c'est vrai qu'il est déjà 10h30, c'est affolant comment le temps passe. Ah oui, puis n'oubliez pas que c'est le week-end du changement d'heure. Oh là là, ça me tue. À chaque fois qu'il y a un truc de changement d'heure, ça me gonfle. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre, ça me gonfle. Ah, attendez, là je suis obligé de faire un peu de ménage dans la... sur le fleuve. Sur le fleuve de la Muerte. Je crois qu'il m'allume déjà. Quelle la fête! Pardon, ça fait un peu de bruit et ça pique pour eux. Non, je pense qu'ils vont m'avoir dans cette position. Faut vraiment que je passe en snack. Bon, ça y est, ils commencent déjà à m'allumer, ils ont réussi à m'allumer. Aïe, 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 bah voilà. Alors, vraie question. A plus, bon week-end.
Vraie question de quoi? Ah, on revendique de la bonne humeur du spectacle. Ah oui, bah là, c'est pas trop mal, Popon. Tu vois ce que je vous délivre? C'est cool. On revendique la fin des pubs sur Twitch. Ah, c'est un autre problème, Edge. C'est marrant, j'en ai discuté en off il y a pas 15 jours avec Aerostar. Et non, c'est vrai que c'est bon, voilà quoi. Il faut aussi que la plateforme se finance. Alors. Ah là 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 là. Vraie question, il se passe quoi? Pourquoi il était zappé? Ah! Mon pauvre Nachevman. Alors. Il faut que je vous explique quelque chose. Poupon a fait usage de 18, si j'ai bien compté, 18 émoticônes. On va dire une quinzaine d'émoticônes. Tout se passe bien avec Poupon. Nachevman en utilise 3. Il a une sanction de Westbot. Abus d'émoticônes non autorisés. C'est n'importe quoi, mon pauvre Nash. Je comprenais pas pourquoi t'étais censuré là par... Vraie question, il se passe quoi si on replie? J'ai pas réussi à... Ah, quoi? Si on remplit l'ec... Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. C'est le karma, Nash, c'est le karma. Et ben dis donc. Voilà, exactement, AJ, il a tout compris. On l'avait prévenu. Non, mais c'est une protection que j'avais mise au début, souviens-toi, Nachelman, dans ma version prototype de la chaîne. Évidemment, défaillance de mon flingue. J'avais mis pas mal de restrictions parce que je voulais... Non, mais c'est une blague. Je voulais... Je le refuse, d'ailleurs. Je refuse cette défaillance de flingue. C'est honteux. Oh, Nash. Et fais gaffe, parce que en étant injurieux envers Westbot, je crois savoir quand même qu'un certain temps, il garde ton pseudo en disant celui-là, il est vilain. Donc, il peut mal te répondre sur les autres chaînes, après. Mais ouais, j'avais mis pas mal de restrictions, puis mon côté, on va dire créatif et prévoyant, veut qu'aujourd'hui j'ai 250 commandes et j'en connais pas 90%, vous voyez, de mes propres commandes. Oui, Nashman, je sais que Westbot le garde un... Alors pas longtemps, parce qu'évidemment il y a les lois de... Hein, de... Puis le droit à l'oubli. Au niveau des données personnelles, mais je crois qu'il le garde 24-48 heures. Et s'il te repère sur un autre canal, il peut te bouder encore et encore. J'avais eu des retours. Des retours. Vous n'avez décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Attends, faut bien que je mette le museau de mon navire vert. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à sniper les vilains? Mais... C'est pas comme si j'avais l'hôte à côté, mais bon, bref. Ah non, mais le snipe, il démissionne. Faut voir que j'aille dans une armurerie, ça fait suer. Ça fait suer. Vous allez voir que je vais mettre toute la matinée pour rejoindre le bar des mercenaires. J'aurai même pas le temps de faire leur mission parce qu'il va me falloir 2 heures de temps réel pour rejoindre les lieux. Mais c'est une guerre de fous furieux là. En même temps, on est proche de la fin. Donc. Non mais Nash a été banni, Cristella, si tu veux, pour abus d'émoticône. C'est une règle que j'ai édictée au... Et comme j'ai les émoticônes qui dansent sur mon habillage, une fois on avait fait le test de voir si on pouvait faire saturer le truc. Et c'est vrai qu'en dehors de mon interdiction là, d'abus d'émoticônes, vous étiez parvenu
à remplir d'un tiers le bas de mon écran noyé d'émoticônes. Donc évidemment le jeu, enfin le contenu que je présente et l'interface était complètement noyé. Et ça devenait illisible quoi, c'était le gros foutoir virtuellement parlant. Évidemment. Aïe aïe aïe, ils sont terribles. Ah. Merde, il y a un navire qui arrive. Il y a encore un mec. C'est fou. Il y en a du monde. Pas que dans le chat là. Ah bah j'ai une livraison de navire. Il va me percuter cet idiot. Il va me percuter. Eh oh. Ouais du coup ça me flingue la vue. Ah la malaria qui fait des siennes. Alors attendez, je vais aller sur la. Oh merde, 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 merde. Attendez, il y a du peuple, il a failli m'abattre. Il y a du peuple et il a failli m'abattre. Oui, je vais revoir un coup. T'as raison, Nachelman, merci. Je te donne entièrement raison. Erika qui dit donne un sub à Wisebot de Cheven, tu vas l'amadouer. Oh la technique, Erika. Tu cherches à le soudoyer, même, on peut le dire. Ah le boxon. Ah là 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 là. Bah, dos droit, excuse-moi, EJ, mais je suis déjà bien. Je suis bien droit appuyé, tu sais, sur mon dossier de fauteuil. Non, là, je suis bien, merci, EJ, t'en fais pas. Bannir un visionneur au choix de Sandberga. Oh, Nash, tu es terrible. Mais j'ai l'impression que Wisebot boude, là. Effectivement, il est en service minimum, ou lui aussi, il a des choses à revendiquer, il est en grève. C'est... Wouh! Oh, petit chevroute! Ballot la petite chèvre! Comme si je t'avais pas entendu, ma grande! Ah! Qui c'est qui parle? C'est eux! Je l'ai eu. Il y en a un deuxième. Parce qu'ils se sont fait la causette. Je crois que je l'ai eu aussi. Ah, je l'ai touché, mais pas mortellement. Bon, j'ai eu un peu de sang giclé au loin. Je l'ai eu. Hop, de mort. Alors, la suite. Ah, bonjour, Aerostar. Oh, merde. Oh, Erika, le coup des chapeaux. Alors. Ça fait, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines. Vous avez pas de patoune, vous avez pas de chapeau, parce que gros bazar chez moi de rangement, nettoyage, etc. Alors, j'ai cette fois-ci les chapeaux à vue. Mais pour m'en saisir, ça va être un peu sport. Tu voudrais que je porte quel chapeau, Erika, dans ma collection? Parce que j'en ai pas mal maintenant. A plus, Torota! A plus, merci. Merci, merci, merci. Merci Torota, à plus, bon week-end à toi. Bisous tout plein. Je filoche les amis, bon live. Merci Poupon, merci d'être passé. Bon week-end à toi aussi, bisous. Puis bonne popote pour ceux qui peut-être à l'avance se font ce plaisir ce week-end en miam et vont déjà en cuisine. Et je vous donnerai raison, parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi dans l'assiette de temps à autre. D'ailleurs tiens, faudra que je vous en reparle. En parlant de cuisine, je vais essayer d'expérimenter. J'avais une promo dans mon magasin qui m'a influencé. Il y avait du gouda en tranche pas cher. Et je vais essayer de me faire des croque-monsieur au gouda. Je sais pas ce que ça vaudra, mais je vais essayer.
Donc si le truc me plaît, je vous ferai un retour de... J'allais dire de manivelle. Un retour, n'importe quoi. Un retour de... d'expérience Miam. Je pense que ça peut être une variante sympa. Alors Roblochon, j'ai jamais fait Nashevman, mais un jour peut-être, je sais pas, pourquoi pas. Ben, il m'est même venu l'idée, mais je l'ai jamais exécuté, d'éventuellement expérimenter des croque-monsieur, tu sais, avec du fromage à raclette. Ça peut être vachement sympa, je sais pas. Mais là, franchement, sans déconner, je vais essayer avec du gouda. Surtout que c'est un fromage que j'aime bien. Ah, tu l'as fait, Nash, c'était un carnage, merde. Ouais, comme ça dégouline à mort, ouais. Et du lait de chèvre. Non, JJB, le lait de chèvre, c'est dans mon café. Et encore, là, aujourd'hui, mon café au lait, il est au lait de vache. Justement, on discutait sur ta chaîne, JJB, avec Santerion, que je salue. Comme quoi, c'est un luxe. C'est vrai que le lait de chèvre coûte cher, et c'est compréhensible. Mais de temps en temps, je m'en fais une tasse. Mais c'est pas systématique, parce que, ouais, c'est un budget. Vraiment, c'est un budget. Une variante de coque monsieur, dit Christella. Pain de campagne en tranche, jambon de pays et fromage raclette. Ah, toi, tu l'as fait, Christella? T'as déjà essayé? Ah, le chapeau! Pardon, le chapeau de cow-boy. Merci de l'avoir appelé, Jay. Pardon, ma pauvre Erika. Tu fais tellement... voilà, t'es tellement humble et tu fais les petites phrases que je te lis même plus. Par rapport aux longues phrases des autres. Je suis désolé, Rick. Attends, j'arrive. J'ai cherché le chapeau de cow-boy. Allez, le carton. Ah bah tiens, du bol. Il est à vue. Il est à vue dans mon empilement de chapeau. Ouais, je vais faire tomber des trucs, c'est obligé. C'est obligé. Il faudra consciencieusement que j'arrive à les ranger comme il faut. Alors d'ailleurs les patounes, ce qui m'embête c'est que j'en vois une mais pas la deuxième. À midi il faudra que j'essaye de voir. Ouais, c'était super bon, tu dis Christella. Ah, il faudra que j'essaye. Mais ça vient ça se porte comme ça, je crois que c'est dans ce sens là. Les chapeaux des cowboys. Attends, faut que j'augmente un peu la webcam parce que bon, tant pis si vous voyez un peu mon plafond, mais comme je porte le chapeau, autant que vous me voyez avec le chapeau. Je sais qu'au niveau du cadrage, ça me coupait un peu le crâne. Ah, Christella, DNH, j'ai tous les fromages du monde. C'est beau. Du bleu de... Oh, Nashevman! Tu parles d'un fromage d'un bleu. Tu me rappelles à la foire de Nancy. Une sandwicherie. J'ai déjeuné un sandwich à base de bleu d'Auvergne, je crois. Une tuerie. Oh, j'en salivais avant de le manger, pendant de le manger et après l'avoir mangé. C'était... J'ai vraiment adoré ce plat. C'était trop trop bien. Ah, c'est vrai qu'il y a du miam avec du fromage, il y a des combinaisons, mais c'est la jouissance en bouche. Oh, le beau plafond. Oui, pardon, ouais, vous voyez sûrement mon plafond dégueu. Mais au moins, vous voyez le chapeau, voilà. C'est pour jouer le jeu avec Erika qui veut que je porte une coiffe. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas porté de coiffe. Et puis, comme on revient dans les températures froides, là, je peux me le permettre. Alors, je fais le jeu en pointillé, pardon. Parce que j'interagis avec grand plaisir avec vous dans le chat en même temps. Il faut que je garde quand même un bon rythme de jeu. Pouk. Je m'enfouis. Je remonte le fleuve. Alors, Nash dit... Bah, ce bleu, c'est de chez moi. Appelé aussi bleu du Vercors. Ah. Ah, que je goûte un jour. J'ai même oublié, d'ailleurs, en parlant des frontons. Il y a longtemps, je m'étais dit je goûterais le maroil, influencé par Bienvenue chez les Chiquis. Je crois que j'en ai goûté, mais je sais plus c'est quel goût. Je crois que j'en rachète. Tiens, il n'y a personne sur ce petit quai. Il n'y a personne sur le pont. Étrange. Bizarre autant qu'étrange.
Chris Taylor répondait Shellman, je sais pas, je te le dirai pas. Oui, c'est bien animé ce matin. Ouais, ouais. Oh, 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 oh. Je constate des aficionados du Pout et Maxi Pout. Attention, vous allez me donner des idées de son. Méfiez-vous, j'ai la chance d'être un neuroprocesseur d'une belle banque de sons. Oh, je repense au vilain. Vous savez le Pout que je vous ai mis dans les sons Discord? Quand j'avais trouvé ce son-là, les vilains dans la base de données, ils avaient appelé ça « chant d'une femme végane ». Les peaux de vache. Ah. Personne? Non. Ouais. Non, ben, y a personne. Incroyable! J'ai pas de comité d'accueil ici, j'en reviens pas. Si, merde, il était en face, salopard. Ok. Oh, 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 l'artillerie lourde. Ah, c'est pire que le Vietnam, là. Wouh. Et Marwal. Ouais, faudra que je regoute. Oh, trop bien, ton émoticône animé JJB d'Extratast de Roswell en vert avec un chiffon. Yolange, Yolange guerrière, sniff. Afrique, adieu, belle Africa. Alors n'hésitez pas à réécrire dans le chat hein, si j'ai commis la bêtise de vous mettre un vent par accident. C'est moi qui aurais loupé de vous lire. Je vous invite à faire un copier-coller et à me rebalancer là où vous n'aurez pas eu satisfaction par rapport à ma lecture ou ma réponse. Ça, c'est ma crainte numéro 1 d'expérience Twitch, c'est de mettre un vent à quelqu'un dans le chat, ça me bouffe. C'est qui que j'avais répondu en différé? J'avais relu mon chat hors antenne. Et je m'étais rendu compte. Ah, je crois que c'était la race moquette. Elle m'avait posé une question, je lui avais pas répondu, j'avais pas vu la question, la malheureuse. Et je lui avais répondu la fois suivante quand elle s'était manifestée à moi en lui présentant humblement mes excuses. Et... Ah, c'est toujours un exercice délicat. Alors attention, je vais sauvegarder parce que là j'arrive dans la zone dangereuse. Ils étaient où les salopards? Ah, c'est vrai que j'ai plus de flingue. Oh, j'ai plus que le gros flingue à la Rambo, en fait. Oh là 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 là. Non, c'est pas cool. Ah ouais, il m'allume, là. Attends, il s'est... Ah, oh, wow, j'ai même pas le temps d'aller au truc. Oh, d'aller à l'arme à feu sur pied. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. J'ai le culot d'y aller à la Rambo. Attends, je peux peut-être essayer de... Pa 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 pa. Ah, mais c'est un... Mais c'est génial, c'est une armurerie. Là, je vais y aller, moi, je vais refaire le plein de flingues. Tiens, d'ailleurs, je vais profiter du moment de calme, pardon. Je vais m'octroyer, excuse-moi, pause de 2-3 minutes. Hop, je reviens rapidement. Je vais me permettre d'aller aux toilettes, excusez-moi. Ce sera évidemment mieux pour mon aise, à tout de suite.
Alors, me revoilà, excusez-moi. C'est là où on voit qu'on rentre dans la mauvaise saison. Parce que en allant me laver les pattes, sorti de là, on sent la par géothermie, on sent que l'eau est plus fraîche quand vous demandez de l'eau froide. Donc, la différence est notable. Alors qu'en été, vous demandez de l'eau froide, mais avec la géothermie, vous avez de l'eau tiède. Et c'est... Waouh. Enfin bon, bref. Ah oui, je vais assurer un spectacle pyrotechnique. Mortier, j'aime pas. C'est trop bizarre, le mortier. Vraiment. J'arrive pas à m'y faire, à ce flingue. Bon, je vais me reprendre un... Non, il est trop bien, ce fusil de snipe. Faut juste qu'il soit performant. Hein? Bon. Attendez, je vais voir dans le petit box avec l'ordi si j'ai acheté toutes les améliorations parce que je finis par douter. Mon Dieu, c'est quoi cet émoticône animé, Erika? Tu as le personnage de... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Il est emblématique du jeu vidéo, là. Ah, j'ai plus le nom. Isaac. Isaac en foufou là, qui se décapite la tête. Ouais, Isaac, merci Nacheman. Ah mon Dieu! Attendez, attendez, équipement. Quoi? J'ai 99 diamants? Sérieux? Je comprends pourquoi tout le monde me tire dessus. Je savais pas que j'avais autant de diamants dans ma partie, moi. Non, le reste, c'est des améliorations de véhicules. Tout le reste, j'ai... Oh, c'est honteux! J'ai les meilleures améliorations et puis mon flingue, il pète en deux. C'est nul. C'est scandaleux. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un... Comment dire? Une mécanique de jeu qu'ils n'ont pas gardée dans la saga. C'est exclusif aux deux. La communauté de joueurs avait gueulé. Enfin, rouspété, pardon. Ils l'ont pas gardé pour les Far Cry suivants, la défaillance des armes. C'était trop frustrant. Moi, je dis oui, c'est trop frustrant parce que la fréquence à laquelle se répète la défaillance est trop élevée. C'est vraiment. Alors, je suis pas militaire, hein, je vous l'apprends pas, mais même dans la réalité, avec une arme à peu près bien entretenue. Je pense pas qu'il y ait un tel taux de défaillance à l'usage. Les armes. Je peux me faire plaisir, c'est horrible. Alors, qu'est-ce que j'achète aujourd'hui? Pistolet mitrailleur, lance-roquettes, une petite bombinette nucléaire, marché aux armes. Aïe, 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 aïe. L'AR-16. Ah oui, le lance-grenade! C'est pour faire comme Terminator. Oh, j'ai trop bien. J'adore faire mon Terminator. Alors attendez, on est fut-fut, on achète l'arme, mais on achète juste derrière l'amélioration en plus. D'ailleurs, je crois que j'aurais pu tout faire en une seule fois. Comment ça, je suis là pour TJ? Oh mon dieu. Je ne sais plus ce que je l'ai. Bah alors? Oh, j'arrive même plus à saisir l'ascenseur de la liste déroulante. D'ailleurs, je repense à la chaîne. Il y a tellement de trucs à faire que je ne fais pas. Pardon, mais il faudrait que je continue aussi d'anonymiser les promenades avec ma frangine. De temps en temps, je vous fais la surprise en pause déjeuner de vous mettre les promenades avec ma frangine. Et je fais large géographiquement. J'en ai une, il faudra que je vous la présente. Je suis allé jusqu'à Vittel dans les Vosges. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. Non, ah merde, la malaria là, c'est la crise de trop. Ah mon dieu, il est en PLS. Vite, des soins. Non, pas la sauvegarde. Pas en moment de défaillance. C'est horrible. Magnifique. Je recommande l'efficacité de ces traitements. Instantané, tu gobes le truc. Ah, normal.
Vous imaginez le mec trash. J'ai un cancer phase terminale. De l'aspirine, tout de suite dans la seconde derrière. Je revis, panacé. Il s'est rien passé. Si seulement, c'est le rêve absolu de la médecine, évidemment. Le but à atteindre, mais bon. Ah là 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 là. Bref, au lieu de débiter des âneries, moi, comme à mon habitude, j'avais dit que je me rendais au bar des mercenaires. Et comme disait Poupon, 10h30, aller au bar, c'est un peu tôt. Oh là là, la première fois que je vois autant de poissons. Poissons de la rivière. Il y a les bleus, il y a les jaunes. Comptez les points. Bon. Allez, j'ai l'embarcation au choix chez chaque bord. Oh là là, la chaise de jardin qui flotte. Oh les chiens. Alors, par où est-ce que je passe avec... Ah, je pourrais presque aller à la capitale. Hein. Mais le problème, c'est que... Je la connais pas, cette musique. Ils me mettent la musique de Saïgon, là, quoi. Si je fais une mission de la capitale, là, qu'on voit en gros sur la carte, j'ai peur de provoquer la fin du jeu dans le scénar et de négliger les missions mercenaires. Je crois savoir qu'elles comptent comme secondaires les missions mercenaires et comme primaires celles de la capitale. Donc il faut que je privilégie les mercenaires. Comprenez mon raisonnement. Que j'ai de la pizza à finir à midi. Oh, ce qui veut dire que ma pause déjeuner sera rapide. Là, pour le coup, j'ai pas calculé mon coup. Mais c'est bien, je ferai une petite pause. Non. Une petite pause déjeuner. On va dire que ça va entre guillemets maximiser mon temps d'antenne en votre compagnie. C'était quoi ça? C'était pas la... Non, c'était pas la distillerie. Elle était pas ici. Il y avait une distillerie sur... Mais c'était pas au bord du lac, c'était au bord du fleuve, je crois. Bref. La magie de l'Afrique. Je sais pas si j'ai bien remis mon chapeau de cow-boy. Je sais pas, j'ai un cow-boy. Et pareil, dans les trucs pas faits, j'ai toujours pas rebranché mes PlayStation. Je cherche une rallonge et un adaptateur particulier dans mon Schmidby d'électricité, mais j'arrive plus à remettre la main dessus, donc du coup je suis comme un gros nigo. Ça pourrait m'embêter pour demain, parce que demain matin je suis théoriquement censé faire reprendre le Final Fantasy, mais c'est pas garanti. On verra, j'improviserai, je... Sniff. Excusez-moi, c'est entièrement de ma faute. Je suis complètement perdu. Je vais pas là où il faut aller. Mais alors... Non. Faut que j'aille au quai du... Aïe, con, je percute la rive. C'est pas ça la distillerie? J'ai un doute. Eh, vu les vapeurs, si c'est ça la distillerie en fait. Si c'était la distillerie là. C'était bien au bord du lac. Bon, je vais descendre là parce que...
Comme mettre sur l'eau, ça ne me réussit pas. C'est un cowboy perdu. Oui, Erika, c'est horrible. C'est horrible. En même temps, les cowboys dans la jungle, excuse-moi, mais. Aïe. Ton chapeau est presque devant tes yeux, comme si tu allais dormir. Non, c'est vrai? Ah, vous avez un angle de... Ouais, mais... Alors, pour vous avouer, si je le remonte trop... Ouais, il y avait Crocodile Nandé. Je te donne raison, Erika, c'est vrai. Ouais, comme les Mexicanos. Si je le mets trop relevé, donc de facto, l'arrière descend. Et si l'arrière descend derrière mon crâne, ça percute mon dossier. Donc, pour mon confort, c'est... Oups. C'est moins top. Non ! Je suis mort. Défaillance de l'arme. Sauf si je fais la machette. Oh, le malheureux était torse nu. Ce salaud m'a touché, merde ! Quick, et je t'achève. Yalas ! Oh. Encore un flingue qui est défaillant, c'est nul. Oh ! Oh merde ! C'est glauque ! C'est un cimetière. Oh là là ! Y'a un brasero. C'est peut-être pour une cérémoniale de mémoire de la Toussaint. À la mémoire des défunts. Oh là là. Cette image est étrange. Oui, je bois un coup. Merci, Nash. Un Mexicain européen, n'importe quoi. J'ai entendu quelque chose. Qu'est pas ça. Ah, rejoindre le bar des mercenaires en Jeep, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Oui, il faut juste que je me rappelle de la direction à prendre. La 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 la. Caché ou pas caché. Yahweh. Comme dit si bien HMN. Oh mon dieu. Lui il était pas caché. Monsieur pas caché va mourir. Ouais. L'autre qui a essayé de m'écraser là. C'est l'arroseur arrosé. Voilà. Violence. Les mercenaires, je crois que c'est la prochaine à droite. Je crois, hein. C'est là où je me plante. Je me plante, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Je suis même allé au-delà de l'arrêt de bus. Alors, retour sur le pont et sortie du pont, c'est à gauche. Le mec qui a oublié la carte de jeu. Me parle pas de morue, tu me donnes envie de manger le plat portugais là. Ah ouais. Oh, le plat à base de pommes de terre et de morue des portugais, j'adore. Il tient le corps, il pète en goût, il est trop crémeux. Et ben voilà! Voilà le bar des mercenaires, enfin! Ibi! Ah bah, avec l'armerie. Les copains, vous pouvez me servir un mojito, s'il vous plaît? Il est où le barman? Ah, peu passionne. Bah! Ah si, ils sont quand même deux. Certaines personnes aiment la guerre. Ils vivent pour elle. Le chacal, en particulier. Il y a un type qui vient à l'aérodrome aujourd'hui. Il est ici pour se faire de l'argent, évidemment.
C'est un rapace, tous des rapaces. Ils ont aucun droit. C'est pas lui qui se bat ici, c'est nous. Les profits, ça devrait être pour nous. Oh, comment qu'il a fait du foot avec la canette de bière pleine? Il sera devant l'aérodrome en train d'attendre son chauffeur. Fais-moi une faveur, ok? Passe devant lui et flingue-le depuis le véhicule. Waouh! Alors maintenant, elle me demande des figures de style lors des exécutions. Elle veut que je reste au volant et que je tire. Ah, elle est space, elle. Moi, truite rose et le saumon me manque. Ah, oui, je conçois, Erika. Miam. Non, moi, je vais peut-être m'offrir une planche de saumon. Alors, pas forcément sauvage. Pour Noël. C'est marrant, j'y pensais. Je me disais, je vais peut-être me faire un petit peu plaisir quand allez, même et voir les promos avant l'heure pour Noël et des petits toasts au saumon. Ah, en plus, ça me rappellera des beaux souvenirs, moi. Donc, je serai la larme à l'œil au moment de savourer les toasts de saumon. Mais j'aime bien. Nachevman, toi, Noël, tu fais coquillettes et basta. Ah ouais? Tu cherches pas à te faire un petit peu plaisir dans l'assiette? Là, par exemple, récemment, j'ai pu m'offrir un pain d'épices pur miel. Qui n'est pas boudé mon plaisir. Il a pas tenu 48 heures. Attends, il est où le mec qui... J'aime bien, je pars en acceptant la mission, mais... Non, j'ai pas accepté la mission. Demi-tour. J'ai commencé le dialogue avec la miss. Je vous fais la causette. Je me suis barré du bar et je l'ai méprisé. J'ai pas validé la mission. Merde. Et puis c'était pas mon véhicule. Tout va bien. La situation est sous contrôle. Oh non. Mais je fais n'importe quoi, moi. Ah non, tu plaisantais, Nash. Moi, tourtière... Pardon? Ah, le nom, c'est le nom d'un poisson. Tourtière du lac Saint-Jean. Connais pas du tout, Erika. Habituellement, c'est en famille. Oui, moi, je fais Noël en famille et... généralement, le jour de l'an, je fais rien. Ça fait des années, depuis 15 ans que je suis ado, jour de l'an, je fais rien. Je sais pas. J'ai plaisir d'être avec vous le 1er janvier. Vous savez, pour le bilan de la chaîne, etc. J'arrive pas à comprendre ces égoïstes. Ils utilisent une arme, et là, peut-être, je les respecterai. Mais regarde pas du coin de l'œil, toi. Tu fais peur. Regardez-moi dans les yeux. Oui, on a dit les yeux. Je suis contente que tu comprennes le problème. Ah oh, oui, alors. La la la, la 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 la. tiki 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 tiki. Voilà, on sait bien, je suis à jour dans le chat. Alors là, je peux m'enfuir. Et regardez la carte. C'est où qu'elle m'envoie à Perpète les Oies, la miss? Oh, c'est pas trop loin. Bah oui, c'est pas trop loin. Oh, je remonte la rue. Enfin, la rue. La route de là où je m'étais planté. Et puis, le contrat sera honoré. Je sais plus piloter. C'est horrible. Oh, je rebranche mes PlayStation, faudra que je fasse du rallye et du Gran Turismo. Je suis en manque, les copains, vous avez pas idée. Je vous ai quasiment pas fait de rallye hein, durant l'été. Je vous ferai la remarque. Ça me manque. C'est terrible. Bon, j'en suis pas arrivé à en rêver la nuit, mais... Oh mon dieu, il se passe quelque chose. Bonjour le sage, même si je suis peu présent ces dernières semaines sur ton direct, le soutien est toujours présent. Pardon! Merci Nachevman, bisous tout plein! J'espère que tu vas bien, merci! Il vient de se passer un truc très comique! Le mec est passé d'une voiture à l'autre! Excellent! Alors que j'ai tiré une. Une fusée de. Bref. Mais c'est très gentil, merci Bastos! Et puis je me répète, voilà, comme dit Aerostar, faites attention! Oh merde, ça va péter! Oui, je regarde ça comme un ego, moi. Non, j'ai pas mon véhicule. Bon, bah tant pis, je continue à pied. L'autre ego, là. Faites attention à vos sous, hein, sérieusement. Là, comme les temps sont durs. Puis, à mon avis, c'est pas parti pour s'améliorer. Enfin, bref.
parlons de Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Mickey. Non, je veux pas continuer à pied. Tuture. Je veux une tuture. Même une petite citadine, je prends. Je veux une tuture, c'est trop loin à pied. Vite, barrons-nous. Priorité à droite, priorité à moi. On est en temps de guerre, je fais ce que je veux. Eh, pas mal quand même niveau camouflage. Vous remarquerez que la tuture, elle est aux couleurs de la jungle. Hein. Oh, attendez, il y a quelque chose par ici. Pourquoi le radar, il a bipé? Qui où? Ah, je la sens pas. Ça s'est enfui dans la jungle. Ça va être encore un truc de rocher. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Le truc, il est au-dessus, quoi. Une fois de plus. Je serais vraiment curieux de voir. Je sais pas si sur Internet, ça se trouve. À mes heures perdues, il faudra que je cherche si quelqu'un s'est coltiné le 100% de Far Cry 2. Eh oh, camion, quoi. Ouch. Ah, alors c'est efficace, mais le problème, c'est que je perds le véhicule. Donc, qu'il aille mourir tout seul, pas... Hein, bon. Et hop, une patrouille en moins. Une en moins, voilà. Non mais je pourrais pas faire sa figure de style à la Miss, là. Tirer depuis mon véhicule, non. Bah alors, hé, les chèvres, ça va pas, non? Ah, je veux bien. Merci, Christella. Au moins, ce soir, comme on dit, je me couchais moins imbécile que je ne l'étais la veille. Ah, ça, je veux bien. J'adore les infos culturelles. Merci par avance, Erika. J'adore ça. Oui, j'ai pas fait gaffe. J'espère que tu vas bien, Bastos. Oui, tu peux mettre le lien dans le chat, Erika. Ouais, feu vert. T'inquiète pas, là il n'y aura pas de sanctions, parce qu'en général je vous fais confiance, c'est pas de soucis. C'est juste qu'il faut éviter le 5fourchettes.com. Ah, je sens que tu vas me donner envie d'en manger. C'est cool, Mickey. Je crois que cette mission est moins facile qu'il n'y paraît. Je vais descendre du véhicule et là, ça va être assez space. Merde, c'est déjà space. Oh, l'autre, il m'a vu. Ah, va mourir. Ah. Je suis mouru. Alors, mais c'est tout à fait la recette de ma maman... Ah, c'est pas tout à fait la recette de ta maman, mais c'est proche. Ok. Ça va très bien. Je sirote un arabica en te regardant en profitant de mon dernier jour de vacances. Ah ouais, 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 je te comprends. Ouais, bah oui, profite bien. Mais t'y retournes demain. Oh merde. Ah, puis reprendre un dimanche, c'est pas forcément. Donc que tu me diras, c'est les vacances. Je me suis trop avancé. Ça y est. J'ai sauvegardé au moment où ils m'ont repéré et que je vais me faire allumer. Donc pour ce qui est de l'infiltration, c'est 1, 0 pointé. Ah, le pare-brise va déjà gicler. Planquons-nous. Attends, je prends quoi? Rambo. Achez que tu de Rambo. Bande d'excité. L'autre, comment qu'il me provoque? Il y a un trop-plein de testostérone, là. Je vais te calmer, moi, je te le dis. Ou pas. Vache, j'en vois 4, là. Et le snipe, là-bas. Il est mort. Merde, il y en a là-bas, mais... Si seulement... Ah! Merde, il est proche.
Ah, il y a encore un snipe. J'ai les balles qui sifflent, c'est pas possible. Salopard. Non. Quoi là? Ah oui. Oui, oui, j'ai touché quelqu'un. Ah, faut que je reboive un coup. Il y a lui. Ah, objectif mis à jour. Comment ça? Déjà, je recharge et je me mets à l'abri. Et je sauvegarde. Parce que ça, c'était du travail de professionnel. Trop bien. C'est trop bien. Attendez, c'est quoi? Qui que quoi? Ah, ça y est, j'ai gagné. J'ai fini le contrat, je peux retourner retrouver un pour le compte rendu. Ok. Le sage m'a confondu avec toi. Excusez-moi sans offense, mais vous me faites l'honneur de me saluer. Vous êtes nombreux et du coup, je suis confus et perdu. Donc surtout, n'allez pas vous offenser que je confonds un tel ou un tel. Pardon. J'essaye de lire à la volée sur mon écran secondaire les propos de chacun. Mais ne perdez pas espoir, les copains. Chaque jour qui passe, je m'améliore. C'est vrai, forcément. Plus ça en expérience tous les jours. Au-dessus du crâne, ça s'affiche. Ping. Ouah, mais il y a des choses à réquisitionner dans l'aérodrome, et oh. Déjà, des munitions. Des mumunes. Donnez-moi des munitions. Non, pas la télévision. Va-t'en, bouh. Non, il n'y a rien d'autre. Oh là là, cet avion viandé. Chez l'aérodrome. Oh. Il n'y aurait pas encore quelqu'un dans le hangar? Il y a du monde en général dans les hangars d'avion. Oh merde! Il m'a fait peur ce con! Wow. Ouais, pas totalement. Tu tousses encore? Ok. Ouais, c'est chiant ça. Voilà, merci, au revoir. Ah oui, attendez, il y en a plusieurs là. L'autre, je l'ai vu en train de détaler. Bon. C'est qu'un, on peut se mettre. Tu sais faire, on y va. On garde la. J'ai touché! Ah, fils de chien! On est attaqué! Faites venir le doc ici! Tiens, attrape! Sur l'avion! Y'en a d'autres ou pas? Non, il n'y a plus personne. Ah, ça peut être intéressant. Alors, dès que je repasse dans une armurerie, je vous fais la promesse que je m'équipe du lance-grenade Terminator et que je fais le gros nigo à tout faire péter. Comment ça, Paishkai? Hé, Chic, vous m'avez retrouvé, bandidio. Boum. Oh, violence! Violence post-mortem. On pourrait s'appeler comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Oh, cette posture. Oh, je l'enterre avec un bidon. Bon, alors, il n'y a pas plus de matos? Parce que là, je voudrais pas dire, mais dans l'addition, je suis plus perdant que gagnant. Ah, je serais peut-être gagnant si je repars avec le véhicule armé. Oh, il y a encore un loustique. Il est où, le mec? Ah, bah, il est sur sa plateforme.
Oh le vilain, il fait presque un dab. This is my dab. Couch. Comment qu'il a pété la rambarde. Ah, petite bouteille d'eau. Bon, bah je vais retourner au bar des mercenaires faire mon débriefing à la miss. Oh, le gros calibre sur le véhicule, ça déconne zéro. Ils ont pas intérêt à venir m'enquiquiner, les gars. Et si je partais... Enquête du lance-grenade. Bah, de toute façon, mais oui, je suis bête, en allant au bar des mercenaires. Oula. C'est moi, ça ? Non, c'est... En allant au bar des mercenaires, il y a de toute façon une armurerie. Alors. Je vais forcément ressortir de là avec le lance. Les lances grosses boulettes. Comme ils auraient pu dire dans Nicky Larson. Donc à la faute de ce Nicky Larson, je vais lui envoyer une boulette. Peu qu'il n'y ait pas ce fameux mammouth. Oh là là. Oh, c'est doublage à l'époque au Club Dorothée. Aïe, 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 aïe. Oh, le pire, vous, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait joueur du grenier que Chalut, qui avait Fred, qui avait bien fait l'analyse à l'époque. Au niveau des doublages catastrophiques de certains de nos dessins animés, au niveau de notre génération. Les Chevaliers du Zodiac, du titre original, c'est Senseiya. Le pauvre Shun, qui est le frère d'Iki, le chevalier phénix. Donc Shun, qui est chevalier d'Andromède. Alors oui, il a un look efféminé, mais de là, dans les 20 premiers épisodes français, lui attribuer une voix féminine, ça... Wouh. Enfin bon. C'est ça, ouais. Je vais faire appel à Pierre, René. Non, Philippe, peut-être pas. Le célèbre nanar, ouais. Oh mon dieu. Non, t'es sérieux, Bastos? Non, ils ont fait ça sur Netflix? Mon dieu! Alors, le problème, c'est qu'en temps normal, le jar du personnage ne poserait pas problème au niveau de l'œuvre, ça changerait pas le sens. Sauf que dans Senseiya, c'est pas le cas. Il y a des règles de chevalerie et il y a des femmes chevaliers. Sauf que la règle veut, pour pas intimider, c'est un bel hommage, pour pas intimider leurs homologues masculins au combat, elles doivent porter un masque pour que les hommes ne se laissent pas séduire par leur adversaire. Et voilà, si Sean avait été de sexe féminin, il devrait, voilà, on ne devrait pas connaître son visage en fait, ou très peu. Féminin et sans masque dans cette version. Ok Bastos, je veux pas voir cette interprétation. ça me rendrait fou. Ça me rendrait fou. Parce que là pour le coup je suis de retour. Enfin bref, très carré sur la règle de chevalerie dans l'œuvre. Devant l'aérodrome. J'aurais bien voulu voir sa tête quand tu lui as tiré dessus. J'ai pas le temps de voir sa tête. En vrai, j'ai pas le temps de voir cette. Et toi, qu'est-ce que tu deviens, toi? Oi, comment va? Comment va? L'autre, il m'a fait parler à ma main. Ils sont fous. Ils sont fous. Ah, mon dieu. Ah,
Allez, on va chercher le lance-grenade et je vais faire le foufou avec. Le lance-grenade, la 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 la. Le lance-grenade. Je sais déjà plus, j'ai acheté l'amélioration ou pas? Ah oui, ah oui! Mais je crois que je l'avais acheté précédemment et j'avais remarqué qu'il y avait un bug de... Il y a un bug débile! Ah si, attendez. Si, je l'ai. Il est difficile de s'en saisir, mais là j'ai réussi, donc j'ai rien dit. Ah oui, je veux tester le nouveau joujou! C'est scandaleux! Oh la vache! Ça envoie du pâté, comme on dit par chez moi. Ça envoie du pâté, là, hein. Comme dans Terminator. Je crois que c'est dans... le 2. Je sais plus, moi qui adore Terminator. À un moment, Terminator, il fait joujou avec ça. Oh oui. Et but. Ouh, ouh, ouh. Tac, tac, tac. Bon, alors, c'est pas tout de faire le Nigo, mais faut que je reprenne des munitions, moi. Torota dit pour Nicky Larson. D'ailleurs, je rappelle que le titre original, c'est City Hunter. Pour Nicky Larson, dit Torota, ils ont fait des voix comme ça, pour rendre le dessin animé plus drôle. Car au départ, Nicky Larson est plus dans ce sexisme. D'où les lieux très chauds en restaurant végétarien. Oui, la censure. Oui, alors là je reconnais que c'était nécessaire. Parce que par rapport à, et à l'œuvre originale et la culture japonaise, on n'a pas du tout les mêmes codes. Donc je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Là, je suis d'accord. Mais prendre le risque de réinterpréter une œuvre et la dénaturer, ça pique. Ça pique dans le mauvais sens du terme. Mais oui, oui, bien vu, Corta, je valide. Oui, la version censurée originale de City Hunter. Ah là 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 là. Mon dieu, c'est quoi cette pub? J'ai jamais vu. Quickies Great Fast Food. Try the new. Oui, à 99 cents. Special Burger. À moins d'un dollar. Eh bah, dis donc. Oh! Oh 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 oh! Je sauvegarde, il y a quelque chose à faire là. Merde, j'ai plus de snipe. Je suis gros bourrin. Dommage. J'aurais adoré. Bon, la carte. Alors que je fais face à un ronon dindon. Bah c'est la capitale. Alors vous savez quoi? Je vais remonter à bord de mon véhicule de mort. On va aller à l'arrêt de bus juste à côté. Et je vais demander à un bus à me déposer comme une fleur dans la capitale. On va gagner du temps. Oh merde, salopard. Tiens, tu veux goûter mon lance-grenade? Oh. Et ben par ta faute, j'irai au bus à pied. C'est redoutablement efficace. Par contre, le temps qu'il met à recharger le truc. Mais bon, faut bien qu'il y ait un contre-coup. Le mec, il m'approche, il est mort. Avec ce que j'ai dans les mains, il est mort. Il devient un cratère et une petite fumée, mais instantanée, quoi. C'est pouc. A pu. Aïe, 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 aïe. Nicky Larson, Nicky Larson. Il était bien le générique français de Nicky Larson, j'aimais bien. Alors que les musiques originales aussi, oh, l'album de City Hunter, il est magnifique. Footstep in the night. Da-da-da-da. Et encore, je crois que c'est pas ma favorite, c'est la promenade d'une balle. Je sais plus comment ils disent en anglais là. Bullet balade. Elle est magnifique cette musique. Donc, à la contrebasse. Dong, 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 dong. Elle est magnifique. Ah, je vous recommande, c'est des musiques superbes. Ah, vous me donnez envie de réécouter des trucs. Ah, j'ai pensé, en parlant d'écoute, j'ai pensé à.
à rapatrier sur mon Windows les musiques nouvelles, musiques libres. Je m'écoutais encore des musiques libres hier. Et il y a des belles trouvailles. D'ailleurs, il y a une musique en Game Boy, c'est trop bien. Nash dit, je suis attendu. Bonne journée tout le monde. Bisous, à plus tard, Nash. Bon repas à toi. C'est bien, profite bien, t'as raison. Bon week-end, Nash. Alors, Torota, tu complètes ton propos. D'ailleurs, et pour info, il y a une nouvelle suite dans Nicky Larson, sauf qu'au tout début de la nouvelle saison, nous apprenons la mort de Lara, son assistante. Je pense qu'un film devrait sortir par rapport à ça. Ah, oui, non. Alors, je pense qu'ils l'ont fait en français, Torota. Parce que cette suite, je la connais depuis des années, mais en version japonaise. C'est magnifique. C'est en HD. Le dessin est superbe. Je crois savoir, alors je dis peut-être des bêtises, que l'auteur original voulait reprendre les persos et refaire une histoire différente. Si j'ai bien compris. Ouais, merci, Nash. Ouais, profite bien. Mais j'avais vu à l'époque, j'avais eu la chance d'avoir les épisodes quasiment frais du Japon. Et j'avais vu les premiers et c'est plus poignant parce que c'est encore plus réaliste dans la... Pourquoi il me propose de sauvegarder, lui? J'ai pas fait gaffe, mais pourquoi pas? C'est moi qui ai fait ça, peut-être. Mais trop bien. Ah, c'est parce que je suis arrivé après le bus, c'est vrai. C'est automatique. Mais non, magnifique. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais plus, c'est pas City Hunter, c'est une variante. Mais si, oh là là, il y a longtemps, j'ai eu la chance de les voir en version originale. Et non, c'était trop bien. Ah, c'est où la mission de la capitale? Bonjour, messieurs, dames. Merde, écoute, mec, c'est interdit de tirer ici. Oui, bah, je tiens mon arme en main. Je sais que j'ai un gros calibre et que ça fait peur, mais... Si tout le monde se tient un carreau... Ah, évidemment, c'est la meilleure saison opposée. Oh... Alors, c'est jeudi vulgache, mais Lara meurt alors qu'ils se sont à peine mariés. Oui, Torota, ouais. Ouais. Oh mon dieu! J'aime bien l'autre avec son... Oh mon dieu! Mais elle est où là-bas? Ah, c'est peut-être la baraque là, merde, je me suis trompé de baraque. Oui, c'est là. C'est pourquoi? Sans armes, désolé. Écarte tes bras. C'est une livraison de lait. Sur les œufs, 6 œufs frais au kilo. Nyeh. Sauf que les miens sont explosifs. Risqué, non. Votre peuple ne sera pas touché. Vous n'avez pas les moyens d'entrer en guerre avec un autre pays. Une guerre? Vous prenez tout au pied de la lettre, monsieur Griggs. Nous ne serons pas responsables de cette terrible mascarade. Non, nos prières se tourneront vers les malheureuses victimes de cette tragédie. Ceci nous rassemblera, vous comprenez? Une Afrique unie. Nous en avons besoin. Des troubles éclatent partout. Ceci rappellera au peuple ce qui est important. Alors les politiciens de mes deux, là. Tu travaillais pour l'ennemi. Tu croyais que je ne le saurais pas. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire. Ah oui, je me souviens de vous. Difficile de vous oublier. Il semble que vous maîtrisiez les explosifs. Nous cherchons quelqu'un pour faire sauter un pipeline. Quoi ? Nous devons vendre l'eau douce à nos voisins. L'UFLL ne doit pas s'enrichir sur le dos de notre peuple. Le pipeline va subir une défaillance générale de tout son système, très bientôt. Mais nous ne serons pas impliqués dans une telle chose. Ce sera un acte isolé. Le point le plus vulnérable du pipeline est au site de construction, environ 200 mètres depuis le lac. Mais d'abord, allez à la mine de diamant Temo, pour y emprunter du TNT. La mine se trouve en territoire ennemi. Ce ne sera pas une mission facile. Graves s'inquiète. Il se fait du souci pour les gens qui ont besoin de cette eau. Mais nous sommes en guerre. Il y a forcément des dommages collatéraux. Même pour arriver à une Afrique indépendante. Eh bé. Voilà l'argent. Les explosifs sont dans le hangar de la mine de diamants. Il faut détruire le pipeline au site de construction. Bonne chance. C'est horrible. Attention, tout peut arriver, alors préparez-vous au pire. Je lance.
T'as vraiment militaire, le mec. Garde à vous. Ouais. Il est droit comme un île, gars. Ah. C'est bien, je suis au taquet au niveau de la santé. Shit, shampoo, shampoo, confort. Rendez-moi mes armes. Rendez-moi mes joujoux. J'aime pas ça. Ding, 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 ding. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ooh, baby. You make me crazy. You make me crazy. Wow. Wow, 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 wow. D'accord, la mine, elle est là. J'ai presque envie de dire, l'idée d'y aller en bus, c'est pas forcément... Oh. Si, j'y vais en bus et je reprends une bagnole. Ouais. Ah. Je sais pas ce qui est le plus rapide, en fait. Ah, merci Torota, exactement, The Ballad of the Silver Bullet. La ballade de la balle argentée. Ouais. Et un titre magnifique. Non, non, titre que je vous recommande à écouter, franchement. Oh, les musiques sont superbes par rapport à cette œuvre. Bon, une, deux, trois, quatre. Heureusement que c'est pas loin, parce qu'il y allait en petite foulée, là. Wouh! Avec tout le matos, comme les vrais militaires, là. J'ai 30 kilos sur le dos. You go, il faut que je me balle. Alors. Oh là là, mon perso, il est troublé, là. On le voit flou, parce qu'il est... Il est en PLS. Il est en PLS. Là, je refuse la sauvegarde et j'en fais une rapide, hein, pas une grosse. Ah, pas besoin. Y'a pas besoin. Y'a pas besoin. Oh, faudrait que je recharge mon téléphone portable. Je vais me faire avoir et... faut que je le branche lors de la pause déjeuner à une batterie plutôt qu'à mon ordi parce que sinon l'UBS. L'USB va lâcher. Non, il commence à faire nuit. Non, on voit plus rien. Before the night is over. Faut que j'aille dans une cabane faire un dodo. Eh ben, dis donc, le dodo, il est loin. Ah oui, buggy. I got a buggy. J'avais le petit buggy. Ah, m'a fait peur le buffle. Il m'a rentré dedans, il est fou, il m'a chargé. Ah bah là c'est moi. Désolé, j'ai tué. C'était un accident. Attends, j'arrive pas à lire le relief. Non, mais c'est une catastrophe. Oh. Et puis, j'avais dit que je fais un Paris-Dakar, moi, sur PlayStation. Ça va pas être triste, hein. Je sais que tu l'attends, Christella. Mais quand je vais faire mon Paris-Dakar sur la PlayStation, je vais être perdu dans la cambrousse. Je pense que vous allez bien rigoler. Le peu que j'avais essayé, j'étais complètement largué dans le jeu. C'était trop bien fait. C'est une vraie course d'orientation. Et pour moi, c'était la catastrophe. Mais virtuellement parlant, les paysages sont beaux. Cherche le regard. Ah, y a quelque chose. Ouah, le compteur s'affole. Pourquoi? Non, le grand baobab. C'est le grand baobab. Ah oui, c'est le grand baobab. Oh, il est creux. Dites-moi qu'il est creux, ce baobab. Ah non. Alors lui, par contre, il est crevé. Eh, le... Oh! D'accord. Ok. Bonjour le coyote. Ah, oh, yop cousin. J'espère que ça va bien.
Oui, je vais allumer la lumière. Je vais allumer la lumière en allant dans une planque pour faire passer la nuit. C'est ce que j'essaie de faire délibérément là. Mais comme j'étais interrompu par une chasse aux diamants. Voilà, dans la minute qui suit, vous inquiétez pas, la lumière va revenir. Merde, elle est où la pièce là? Elle est là peut-être, non? Bon, attendez, je descends parce que... Ah! C'est par ici, non. Mais, attendez, mais elle est où la pièce là? Bah, j'ai du caca dans les yeux, moi. C'est quoi, ça? Ah, c'est un panneau. Non, ça veut dire que la casse-bas est plus loin. D'accord. D'accord. C'est plus par là. Ah bah voilà, là il y a un chemin. Ah bah voilà. J'arrive à passer en buggy ou là non, il y a que des piétons. Magnifique. Et je vais pouvoir illustrer mon propos ici. Je vois. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu vas prendre un coup de soleil. C'est dangereux ici. Je reste près de toi si tu peux. Ah, je veux bien. Merci. Attends, est-ce qu'au niveau des arrières. Oui, merci. Ok. Garde toujours ton arme à la main. Tu m'étonnes. On va faire passer la nuit. Ashi bonanga, ashi nona bonane nonu. Aïda, Wuna, Kashekala, Wuna. C'est beau. Voilà, ils ont éteint le feu de camp. Un peu besoin de chauffage, il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud en Afrique, tôt le matin. Dadi, dadi, da, dadi, douda. Alors, qui tu dis, Torota? Je vois qu'il y a un nouveau film animé, City Hunter. Je vais essayer de le voir. On va demander au cousin, mon cousin. Et il aime bien City Hunter, d'où son pseudo d'ailleurs. De facto, vous l'aurez deviné. Alors, la mine. Il faut que je ship les explosifs. Ah, terra miné, c'est dangereux. Terra miné. Oh, je descends en boutique. C'était la descente la plus rapide. Et le buggy marche, mesdames et messieurs. Ça, c'est du buggy de guerre. Ou pas. Oh merde, il va exploser. Non, il marche plus. Vite, répare-le. Non, il est trop bien le buggy. N'explose pas. Je rappelle que quand ça fume noir, c'est que ça peut s'enflammer et exploser. Oui, exact. Oui, c'est parce que l'œuvre est commune au créateur de City Hunter et de Cat's Eyes. Et oui, le bar où boss Mammouth, c'est le Cat's Eyes. Exact. 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 C'est qui, lui? Il va se calmer. Les salopards. Là-bas, j'ai mon coéquipier qui va m'aider. Allez, debout! Je peux pas te porter, tire en même temps! À la guerre comme à la guerre! Oui. T'as beaucoup de munitions? Eh, hey, bonne chance. C'est horrible. Eh, hey, t'es blessé! Soigne-toi vite! Ouais! Je me soigne, monsieur. The page. Non, il m'a confisqué mes armes. Il m'a donné un... Oh, c'est pas si mal que ça, une arme de poids. Non, mon buggy. Je veux garder mon buggy. Qui est à côté des pirogues, là. Décidément, j'ai du mal à entretenir le buggy. Pas avant 2024 en France, il me semble. Ah, merci pour l'info. Attends, qui c'est qui fait quoi?
C'est mon coéquipier, ça, on est d'accord. Hé, hey, par ici. Merde, c'est mon coéquipier qui est dans le mal. Bah alors, mon pote, c'est ton tour. Chito, tu ne bouges pas. Aïe, je vais te faire une piqûre. Je vais te piquer. Attends, qui c'est qui a tiré? On se fait tirer dessus, donc c'est pas cool. Ah, c'était lui. Oh la vache. Ouah, comment ça a giclé. Excuse-moi, je reviens vers toi, mon gars. Alors, comment on te soigne? Ah, visez le cou. Oh, cette tête, c'est horrible. Tu dois être par là, dispersez-vous. C'est mieux comme ça. Bah, tu m'étonnes que c'est mieux comme ça, malheureux. Oh, du plomb, du plomb. Mais non, c'est rien, j'ai pris une balle. J'en ai pas pris 50 comme tout à l'heure. Ça y est, ils sont morts, les Kikou, là. Il y en a même de la végétation, lévitation, c'est dire... Ah! Alors, c'est la fameuse mine, il doit y avoir les explosifs quelque part. C'est qui, lui? Merde! Oh, c'est un... Oh, merde! Il y a un peu des deux... Oula! J'ai un peu déconné. Un petit peu. Ouh, je crois que c'était une zone non-fumeur. Oulala là là. Oh là là! Y a quoi que j'ai fait une grosse bêtise? Ne me dis pas qu'il y a des survivants derrière ça. La vache, la violence de l'incendie. Et encore, je vois d'ici que tout a pas pété là. Il y a une bonbonne. Et il faut que je me méfie, ça peut encore flamber. Vache. Quoi? Il se passe des trucs, au secours. Ah oui, tout n'a pas pété. C'est un miracle, même. Là, c'est une vraie poudrière, par ici. Je crois que j'ai fait flamber le TNT en même temps. Et là, la mission est foutue. C'est beau, regardez-moi ce soleil. Magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Attends. Ah non, je suis pas encore à la dite mine. C'est par là qu'on y va. Ça me rassure. Mais bon, laissez tomber la barrière de pacotille. Elle était en papier mâché. Infiltration ou Rambo? Bon là pour le moment je fais infiltration. Ah, il y a une pompe qui est en PLS. Où est le TNT? TNT. Le TNT est là-bas. Oula. Mais non, vous faites erreur. On va peut-être nous planter.
trop nombreux. Il y a 10 mecs, là je peux pas... Là pour le coup, finalement, arriver de manière bourrine avec le lance-patate, vraiment, ça ferait l'affaire, ce serait de circonstance. Hop, je veux pas me faire désirer, mode Rambo. Enfin, si je les vois. Alors, je vais me soigner parce qu'ils sont hein, coriaces. Mais qui sont ces types? Et nous stick. Merde. Ah, c'est ça. C'est lance-patate. C'est la guerre absolue. Là. Filtration, j'y crois plus vraiment. Vu ma réputation, là pour tout le monde, je suis la faucheuse. Hein, donc, je suis la cible numéro 1 à battre. Combien les Mickey? Incroyable! Il est ouvert! Je crois pas! Ah! Je crois que ça venait de ce côté! Ça va pas, non? Moi je te couche! Ça sent mauvais! On va aller aider! Ah! Attends! Qu'est-ce que je vois? Enfin, je peux voir des trucs, mais. Là. Oh, tu vas en découdre. Tiens, attrape. Wouh. C'est bon? Non, c'est pas bon. Il y a encore un mec, je sais pas où il est. Pas voir où est le mec, alors faut que je bouge parce que sinon il va m'abattre. Ah bah y'a lui. Merde, j'ai. Oh! Au moment où je le repère, j'ai plus rien. Oh! Presque. Presque, presque, c'est dommage. L'assaut était. Oh, mais ils sont combien? Mais c'est pas possible! C'est plus qu'un régiment, c'est une armée complète. Merdoum. Bon, eux, je les laisse retirer parce que ça vaut le coup. Attention, attention! Bordel! C'est quoi ça? Il se passe quelque chose. Faut y aller. Garde ta position. C'est pas ce qui se passe, on reste ici. Quelque chose. Que dalle. Et toi? Par là! Ils ont lancé une attaque! Je crois qu'ils vont partir. Je crois. Cette ambiance. Ich schieße auf die Dauer, Bruder!
poste. Tu veux te faire planquer? Oh la vache! Comment qu'il est parvenu à me liquider, le salopard? Ça va être ma dernière mission du jour, hein, parce que ça envoie du pâté, là. C'est bien musclé, c'est... Wouh! Vache, le salopard! Et si je tentais un assaut par un autre endroit? Merde, il est encore là, lui. Merde, voilà, là. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Accueillon. Pardon? Nous avons le plaisir d'accueillir Accueillon. Bonjour Dragon Sky. Non, il faut juste mettre le pseudo, malheureux. Comment ça va, Dragon Sky? Ça va, ta journée de distraction s'est bien passée? Ah, j'ai pensé à toi hier. J'ai pourvu que t'en profites à un max. Erreur de frappe. Ah, mon dieu. Bon, je vais réussir mon assaut à la Rambo, là, ou quoi? Oh, joli. C'est bien, ça fout le feu. Il y en a tellement. Ah, intéressant. Attends, je reviens vers vous. Hein. Mais là, ils sont pas prêts de se calmer. Oh non! Alors ça, c'est ce que je craignais. Les armes lourdes à angle fermé, généralement, ça vous pète dans la tronche. Ah, dommage. On peut pas faire des tirs de précision avec ces trucs bourrins. C'est contradictoire, malheureusement. Mais attendez, mais sérieux, y aurait une technique... Non, j'y crois pas. Y aurait une technique infiltration? Putain, mais c'est mission impossible, quoi. Tu vois quelque chose? Que dalle. Et toi? On va vérifier. Bonjour. Ah, c'est ça. Oh. C'est quoi les objectifs mis à jour, du coup? Finalement... L'infiltration aurait été la... Voilà. L'effet LCL se sert d'un pipeline pour exporter de l'eau douce du lac Ségolo vers les pays voisins en échange d'un joli pactole. Le système de contrôle est hors service. Maintenant, je dois détruire le pipeline et trouver un endroit pour admirer le spectacle. Le spectacle. Ah, elle m'appelle, la miss. C'est Nasrin. Retrouve-moi en haut de la colline près du barrage du lac Ségolo.
Et rejoins-moi au-haut de la colline. Oui, c'est intense, Dragon Sky. Ouais, c'est bientôt la fin. Ah, c'était ma toute première citation. Oh mon dieu. J'ai joué à quoi? Non, on papotait sur Discord, je sais pas. Oh mon dieu. C'était les phases de test de ma chaîne jadis. Ah, c'était l'été 2021, mon dieu, il y a plus de 2 ans déjà. Mais et les mecs, ils m'ont pas remarqué. Hein. Le vol parfait. Voyons, maman. Maman, là-bas. Ils m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Finalement, l'observation, c'est... Oui, ça passe beaucoup trop vite. M'en parle pas, Jay. Là, bon, là, il va me voir. Ou pas. Non, ah, je vais dire. J'ai fait exprès, c'était rigolo. Mais bien. J'ai plus qu'à me barrer. C'est me barrer qui va être dur. Je sais plus si vous avez accès en une seule fois à toutes mes citations. Si je crois que dans l'interface... Message de Torota 77. Accueillons comme il se doit et je fais ce qu'il me plaît, me plaît. C'est qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Non, la méthode bourrine n'est pas la bonne. La méthode bourrine n'est pas la bonne. Mon dieu. C'est haut. Je peux me barrer. Encore que je pourrais peut-être me barrer. Attendez. Putain, je me barre avec... Mais ils m'ont pas vu. Je peux me barrer avec la TNT sans qu'ils me voient. C'est fou, ça. C'est fou. Putain, là, il y a un baril là, tu sais pas pourquoi. Pff. Bah trop tard, le mec qui m'a repéré, trop tard. Je suis déjà au carrefour. Incroyable mais vrai. Alors la miss. Ah merci. J'aimerais avoir le bout de tout, s'il vous plaît. Merde. Oh. Merci. J'ai le véhicule. Bien. Alors, je me bats. Évacuation. Je vais aller à la planque chercher de la pharmacie. Si je les ai déverrouillés, c'est pas pour rien. Oh, ils sont chiants avec leur... leur barrage à la noix là. Oh, y a tout ici, c'est fou. Non, ah ouais, y a tout. C'est rare les planques où il y a les trois types de. Bon appétit, Jay, à plus. Nouilles chinoises, ce vénard. Ok, je suis comme tu veux. Oh là. Je suis par ici aujourd'hui. Tu veux que je reste près de toi en cas de problème? Moi, je veux bien. Pas de problème. J'apprécie le geste. Ok. T'as dit l'autre, il retourne faire ses... Oh là là. Le gars, il est fou. Il est hyperactif. Oh, le vénard des nouilles chinoises. Ah. C'est délicieux. Alors c'est quoi l'alternative? Alors soit détruire le pipeline du site que TNT ou alors rejoindre Narendavar qui aura peut-être une meilleure idée. Eh ben on va rejoindre l'Amis. On n'est jamais déçu avec l'Amis.
Et je me barre. Je me barre comme je peux. Aïe! Merde, je me mange le... Il y a un arbuste, il faut que je me le... Dans la tronche. Ah bien! T'as l'émoticône des nouilles chinoises dans le ramequin, Christella, la classe. Elle a l'image associée au thème. Trop jolie. Alors, attendez, elle est là-haut, la miss? Et si je suis le GPS avec la flèche bleue. Je rappelle que la demoiselle, ma partenaire mercenaire, c'est la flèche bleue. Alors que la cible pipeline est en haut. Merdoum. Il veut que je passe par là? Mais je vais repasser par la mine, je vais me faire allumer. Ils vont tous me tomber dessus. Attends, je sauvegarde rapidement parce que je crois que le passage en bagnole va mal se passer. Ah non, j'ai même pas de poursuivant. Non mais ils sont débiles à ce point ou ils me craignent à mort là? Je m'attendais à avoir des poursuivants. Je roule peinard, ok. Là, il y a du monde, ça m'étonne pas. Ah, ils sont chiants, je vais aller dans l'herbe. Allez, hop, il a malaria qui fait sur. Oh! Je peux le dire, il a fait une arrivée en personne. Ah, allez, excusez, vous êtes chiant. Oh merde. Je me barre avec la voiture. Vite, ça crame, ça a pété. Vite, 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 vite. Marche arrière. Wouah, même ça, ça forme. C'est un gros barbecue. C'est un trop gros barbecue. Je ne pensais pas être victime du souffle de l'explosion. Allez, debout. Je peux pas te porter. Tire en même temps. Non mais il n'y a plus personne. Arrête de tirer. C'est juste les flammes. Il est parano le mec. Il a dû voir un buffle. Bonjour la Jed. Un double kebab pour moi. Mmh. Ah, j'espère que tu vas bien la Jed. Merci à toi d'être là. Encore un peu. Ok. Ça va, je peux les arrêter. Oh! Doit soigner, oh là-bas, il y a un homme avec une. Oh mon dieu! Reste le bras en feu! Quelle horreur! Comment ça, y a un mec? Mais non, y a pas de mec! Regarde, je te monte! Lance-grenade, hop, y a plus personne! Qui c'est qui a dit à l'aide? Qui c'est qui a dit à l'aide? J'ai pas compris. Alors qu'il y a encore les carcasses fumantes des véhicules là-bas. Non mais c'est hallucinant, leur véhicule a pas explosé. Waouh. Ah bah oui, attends, je récupère le véhicule moi. Pas folle la guêpe. Enfin, si j'y parviens. Oula. Dans le bon sens. Dans le bon sens, ce serait bien. Mais qui? C'est bien, je laisse mon coéquipier se démerder avec les... Avec les rebelles. Steak frites pour Dragon Sky à midi. Ah, on fait pareil, cousin. Moi aussi, c'est pizzouille. Bon, moi, ça va être de la réchauffée. Ma pizzouille d'hier soir, mais... On va être deux à manger de la pizzouille. Non, moi, ça va être la classique, vous savez, jambon fromage. Là. Ah, elle est pas dégueu. Hein. Ça fait du bien par où ça passe. Ça fait du bien par où ça passe. Bon, alors, la miss, elle est où? Il est chiant, lui. Il va mourir, toi. T'as comment je l'ai fait tomber de son truc? Dis donc, j'espère qu'il est mort. Gros vilain. Il y a des trucs à shipper. Ah, trousse de pharmacie, ça se refuse jamais. Ils avaient pas d'autres trucs par ici.
Alors là, je sais plus. Non, mais il y avait une caisse de munitions. Alors, j'ai encore me laissé surprendre par le... par certaines planques. Qui c'est qui tire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un loustique qui est pas content. Il y a mon copain mercenaire qui se fait allumer. Oh là 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 là, mais qui bordel, qui bordel. Alors, je reprends la route, moi. Et hop. Elle est par là-bas. Ah, peut-être déjà que j'apprenne à rester sur la bonne circulation, ce sera bien. J'ai un peu aidé. Elle est là, la copine. Elle est sur la gauche. La 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 la. Elle est où, Nasrin? De la plante, ça va. Hey, il m'allume là, ça va pas, non? Mais ça, mais alors toi, merde, moi avec. J'étais à trop courte portée, mais je suis pas mécontent qu'il soit mort avec moi. Nah. Violence. Hey, il y a des belles séries de clips à faire aujourd'hui. Merci pour ceux que vous avez déjà fait, mais. Je pense compléter l'offre parce que là il y a eu des belles séquences d'action bien cadrées. Non, c'est là qu'elle est. Voilà. Voilà, elle est là. Elle est là, la miss. Bien. Elle a bien choisi l'endroit. Ah oui, dans le coin il y a une patrouille. Il y a une patrouille. Il passe pas sur la route. Ah si. Voilà. Il n'y a plus de patrouille. J'adore ce flingue. C'est le pire. Chip, chip, chip. Alors, qu'est-ce qu'elle a à me dire, là? Il le mérite. La meilleure. Laisse-moi t'aider. Je sais où tu peux trouver les régulateurs automatiques du pipeline. Oui. C'est la station de pompage du réservoir, à l'avant du lac. Il le mérite. Laisse-moi t'aider. Je sais où tu peux trouver les... Il le mérite. Laisse-moi t'aider. Je sais où tu peux trouver les régulateurs automatiques du pipeline. C'est la station de pompage du réservoir, à l'avant du lac. Si tu les désactives, tu pourras déclencher un beau foutoir. C'est plus du bégaiement, là. C'est du... Hein? Parce que quand tu détruiras le pipeline, l'eau va remplir tout le canyon. Et inonder la mine. J'ai assuré la sécurité de l'endroit. Je connais bien le terrain. Elle radote. Temoko est une imposture. Il n'y a pas de diamants. Mbantoué promet aux soldats qu'ils seront riches. Qu'ils auront tous les diamants qu'ils veulent s'ils restent avec lui. C'est un menteur. Il a toujours menti. C'est un politique. Ça parle très mal. C'est un bon plan. Mais quand ils se rendront compte de la disparition de la dynamite, ils penseront que je l'ai volée. Quand le pipeline explosera, ils vont me tomber dessus. J'aurais bien besoin de ton aide pour me sortir de là. Trouve la station de pompage et détruis les commandes. Mais elle me pousse! Mais je veux récupérer mes soins, moi, vilaine fille. Bouh. Haché, bonunga, dadi, duda. J'ai pu changer mes armes. Alors attendez. Elle me dit qu'il faut détruire le système de contrôle de pression. Bah, je vais y aller à l'explosif, moi. Je vais pas prendre le snipe, là, pour le coup. J'ai le bon flingue. C'est... Hein? Bon. Ça se passe où? C'est tout proche! La guerre, elle est toute proche. Je vais aller sur le lac. Je tire en ligne droite avec un navire, moi. Est-ce que j'ai mieux à faire, franchement? Mort par explosion. Ouais,
Ouais, on a qu'à descendre cette route. Ah, bah ça se refuse pas de faire un petit peu de navigation. Sur les eaux africaines. Ping, 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 ping. Merde, il y a du monde en bas. Je crois pas que ce soit un siège de jardin, là. C'est pas un siège de jardin. Est-ce que je peux de cette distance? Non. J'ai merdé mon tir. S'ils prennent un véhicule, ça m'arrange. Allez, prenez un véhicule. Au moins, je ferai un dégommage à coup sûr. Qu'est-ce qu'il va, lui? Bon. Au moins, il n'y a plus d'installation. C'est redoutable. Hein. Cette arme est d'une efficacité absolument redoutable. Ah, j'ai entendu un véhicule. Non? Derrière moi, peut-être. Non, non, devant moi. Bah, ils sont où, ces idiots? Je les vois pas. Ah, ils sont là. D'accord. Je reste derrière l'arbre parce qu'à mon avis, il y a encore du monde. Coucou! Sauf que là, j'ai rechargé. Non, plus personne. Oh, cette aisance, cette jouissance. À tout désinguer à coups de lance-patate. J'ai le grand final, mesdames et messieurs. Chapelle de tous les côtés. Ah, avec le joli soleil africain. Achille bonanga, achille nona, bonanga nani. Ah ouais, nona. Alors je vous laisse deviner que je vais essayer de... Ah non, je peux j'aille sur place. J'allais dire à distance, faire péter, mais non. Faut que je pose la TNT, dis-donc que je suis. Eh oui. On m'en parle pas, JJB, c'est musclé. Oh oh oh! Mortier! Ah! Patrouille sur les eaux! C'est la guerre! J'ai entendu un tir! Oh mon dieu, il y a quelque chose ici! En plus, c'est la totale! Venez, bande de Nalo! Je vous attends! Je vous attends plus, je vous attends plus! Je suis mouru! Oh là 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 là. Va y avoir 10 minutes intenses, c'est obligé. C'est la guerre. Oh vache. Oh oui. Magnifique. 3 bateaux. Salopard. Il m'a repéré. Monsieur Mortier m'a repéré. Je vais me faire zigouiller. Il est où, monsieur Mortier? Mais j'ai pas de fusil de snipe, je peux pas répondre. Cette image. Ça fait. Comment ça, le jeu a dit non? Ah non, attendez, je vous fais un petit peu de rab là, l'action elle est trop bien. Non, le jeu a pas le droit de bugger. Le bug est interdit, monsieur, ici. Burp. Burp. Je vous remets ça vite fait, bien fait. Eh, je termine la mission quand même, et oh. Après, je sais pas ce que je vous fais. J'ai envie de plein de choses. Mais vraiment. Ah, j'ai dû débrancher ma manette, moi. J'ai plus de port USB de dispo. Donc, ah merde. Ça exclut les jeux qui m'intéressent. Ou alors, il faut que je bidouille durant la pause déjeuner. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est contraignant. Ce que je pourrais vous faire, Lucky, c'est à la manette. Arrive Dragon Sky. Et il crache pas tant que ça, honnêtement. Ou alors, j'aimerais vous faire aussi du Flat Out 1. Mais marche pas non plus.
Enfin, elle marche pas non plus. Manette aussi. C'est surtout ça. J'ai pas chargé un peu trop tard. On va peut-être commencer la scène d'action avec les trois navires. Pourquoi pas. C'est pas désagréable. Non, pas du tout. J'étais au niveau du quai. Oh, ça va peut-être changer mon approche. Je vais changer mon approche. Allez, on se fait un petit bis repetita. Alors lui, il a giclé d'une violence inouïe. Si j'arrivais finalement par la terre. Ce serait pas dramatique. Je t'ai vu. Oui, non, là. Merde! C'est pas un bon plan. Oula. Merci. On change de flingue. Ah, il est loin, lui. Merde, mon arme est défaillante. Vite, décoince là, idiot. Heureusement qu'il y a un trou. Wouh! Merci. Tu m'étonnes qu'il était touché. Il y a intérêt. Oui. Oh, je vais être gentleman. Je vais abréger ta douleur. C'est moi ou on merde? Hop, 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 hop. C'est qui l'excité, là, du bord de la rive? D'où il sort, lui? Merde! Attendez, il y a un mec qui est au lance-grenade comme moi. Ah, c'est peut-être un mec à bord d'un véhicule. Ceci expliquerait cela. De facto, hein, eux aussi, ils sont lourdement armés. Il faut quand même qu'ils aient un droit de réponse. On va pas se mentir, mais... voilà, ça, c'est bien. Hello, Baudel. Ah, le navire. Ah, merci. J'ai dû me prendre à trois fois pour avoir le navire. Bon, moi, j'ai foutu le feu à la rive. Ce qui est plutôt un avantage. Attends, j'ai un moustique. Là, il n'y a plus de moustique. Terminé. Oh, lui. Bah alors. Il n'a pas vu que j'étais derrière lui. Amateur, va. Bon, vu le chaos que j'ai semé, je doute trouver une caisse d'explosifs disponible. J'ai dû tout faire péter. Je présume. C'est... Salopard. Merde, il est bon, lui. Il s'est tiré, le gars. Salopard. Attends que je n'ai avec l'artillerie. Oh. Alors que mon arme s'est encore enrayée, tout va bien. Si, si, il me reste des joujoux. Il me reste des joujoux. Alors, on fonce devant. Ah, je vais forcément avoir un comité d'accueil, c'est obligé. Et encore quelques moins de kilomètres à faire. Hein, avant que j'arrive aux pompes, au régulateur. Mais là, je vais me faire guider, c'est pas possible.
Ah, je commence à avoir faim. On va peut-être faire la pause déjeuner avant et ça me laissera le temps de brancher la manette. Je commence à avoir les crocs là. Oh, ils ont une un flingue balèze, donc j'ai été en peu de temps. Théoriquement, alors c'est pas géré dans le jeu, mais théoriquement, mercenaires que nous sommes, la plupart d'entre nous avons des gilets pare-balles. J'ai envie de dire, c'est suggéré. C'est à partir du 3, je crois, qu'ils ont intégré véritablement la gestion des gilets pare-balles, si je dis pas de sottises. Il ne lit pas le choquise. Alors attention. La patrouille va arriver. Je descends. Je suis prêt à l'accueillir. Au lance-grenade. Allez, mes petits chéris, venez. Je n'attends plus que vous. Bah alors. Ils sont désirés, les électro-gnouf. Oh merde, c'était plus loin. Oui, c'est bien d'en faire craquer toi et Gilles Parbal. Merci Dragon Sky. De la précision. Là, ils vont m'avoir. Ah oui, je suis trop près maintenant. Je suis trop près. Alors, recharger mon téléphone portable. Il faut surtout pas que j'oublie durant la pause déjeuner. Brancher la manette d'Oyo Video. Manger. Je serais malheureux que j'oublie dans ma pause déjeuner de manger. Je serais très triste. J'aurais surtout le monde qui gargouille. On va essayer de faire tout ça. Ah, je vous laisse déjà réfléchir si vous préférez une promenade anonyme, des clips, une compilation. Merde. Ah, merci. Dommage, je suis plus visé, j'ai merdé un tir. Oh non, il y a les loustiques en navire. Oh là là là. Sont chiants eux aussi. Oh, oh. Une patrouille en moins. Alors, le coup de son est là-bas. Non, là je l'arrête pas. C'est nouveau, ça va pas. Ouais, j'ai le défaut en fait de les sous-estimer là. C'est de l'amateurisme que je suis en train de vous faire. Il faut pas que j'arrive comme ça en disant. Ça va se passer comme si j'étais chez moi. Je suis évidemment pas le bienvenu. Je sais qu'une fois, j'avais eu la ruse de monter sur le pipeline. Et ça vous peut vous paraître débile. Mais sur le pipeline, on a une vue plongeante sur tout le monde. Attendez voir que j'essaie de ruser comme avant. Sans déconner, ma première partie de Far Cry 2, je crois que j'avais fait comme ça. J'étais monté sur le pipeline et c'était vraiment trop facile. Enfin, trop facile. C'était une approche vraiment pertinente. Mais faut-il encore réussir à monter dessus? Merde, je suis tombé. Le jeu en vaut la chandelle. Ah ouais, c'est haut quand même. Non, c'est trop haut. Je suis pas au bon endroit. Merdoum. Non, mais faut que je le prenne de l'autre côté, là. Là où il y a le monde, justement. C'est pas pour rien qu'il le garde, les gars. C'est pas pour rien qu'il le garde. Ouais, non, tant pis. Je pourrais pas faire mieux. Heureux Waza, Twinsen. Heureux Waza. Oh oui, il est débile, il s'approche de moi. Ah, il y en a un deuxième. Embuscade, ouvrez les yeux.
Ah, pas que les yeux, mon gars. Salopard. Oh, il a voulu me confisquer mon véhicule et m'écraser avec. Gros vilain. Chargé, je te couvre. Ça va pas, non? Moi, je te couvre si tu veux. Bernay, vas-y. Il est où, mec? Merde, j'ai plus de balles. J'ai plus de mule. Artillerie lourde. Oh, mais lourd. Voilà. Ah, à tout à l'heure, Christella. Bonne app. Merde, je l'ai loupé. Ouais, bonne cuisine, bonne app. Oui, bon jeu, Torota, bon lurk. Ah, je vais réussir à poser mes explosifs, mince. Espèce cowboy. Espèce cowboy. Oh, je l'écrase. Ah, il a une temps de se barrer. Il est trop lent. Ok, encore, mais je vais t'en sauter un peu. Non, c'est abusé, ce que je fais, complètement abusé. L'approche incendiaire est très intéressante. Je vais peut-être balancer des molotovs. Vu le scénario qui se présente à moi, là, de guerre, ça, vraiment, ça vaut le coup. Je pense qu'en déboisant sauvagement par les flammes, ça peut vraiment le faire. Non, mais il est sérieux, lui. Mes jambes! Merde! Pop tes jambes. Oui, il va à la flotte, lui. Mort noyé. Oh, il m'a pondu une grenade. J'ai une grenade noyée en cadeau. Oh. Oh là 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 là. Si dur, si dur. Si dur, 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 dur. Toujours le même. S'il vous plaît. Ah mince. Merde, allons-y alors. Reste à ton poste. Tu veux te faire flanquer? Oh là 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 là. Bon, va falloir jouer dans la subtilité, je présume. Ah, moi j'ai la flotte. Non, mais sérieux? Tiens, je vais pas mourir. Je veux rentrer. Rentre chez moi. Que ça vient, moi, toi? Mais qui sont ces types? Je crois que t'es un ennemi. Qui c'est qui m'a vu, là? Il est là, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, on se met à couvert. Mais ils sont où les gars? Il faut le charger, je te couvre. Ça va pas, non? Oh là là! C'est dur. Ah, bonjour, Saul Goodman. Oh, tu casses pas l'immersion, c'est moi qui joue mal. Tu vas bien, c'est cool. Ouais, ça va. Merci, Saul Goodman. Merci de ta générosité, c'est adorable. C'est bien. Passez un beau week-end, tout le monde profitez. Chez Halloween. Ouh, ils sont vulgaires. Encore. Encore.
viens par ici, que je te lave la bouche avec du savon très fort. Chut, calme-toi, reste discret. Ne pars pas si tu ne pars pas. Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file, la racontée, grâce à toi, le serveur. Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Bonjour par ici. Pardon de casser l'immersion. J'essaie et un putas en tes vocales. J'ai wise bien merci à toi. Ow. Puis j'aime bien le ow. Fidèle et magnifique. Merci, Charles Goldman. Non, mais non, mais... Je vide mon chargeur à bout portant, le mec qui se tient devant moi comme si... Oui, 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 Saul Goodman qui disait qu'il va bien. Mais moi aussi, j'ai ma bonne étoile. Il est vivant, je suis vivant, je crois pas à ce qu'il a fait. Il a anticipé la question, et il a raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça craint. Je veux pas rester ici. Je veux rentrer à la maison. Il faut que je rentre. Allez, lève-toi. Fais marcher tes jambes. Allez, il va me tuer. Il va me tuer. Pitié, je veux pas mourir. Je veux rentrer. Rentre chez moi. Je veux rentrer à la maison, pitié. Wow. Je sors la tête de là où je suis. J'ai 4 tireurs qui m'allument. Donc, l'astuce serait de longer la rive. Et je pense que là, je peux les avoir par surprise, comme ça, vous voyez. Même pas. Bah, moi non plus, je peux rien faire d'ici. C'est ce qui m'ennuie. Oh la vache. Attends, ma cible, elle est... Oh, elle est encore loin, ma cible. Elle est encore loin. Là, il n'y a pas un truc. Ah, c'est peut-être au-dessus qu'il y a un truc. Oh mon dieu, il se passe un truc. Oh merci, mon dieu. Merci Torota. Merci Saul Goodman pour Torota, pardon. J'en suis troublé, pourquoi? Parce que je vois que t'as déjà offert 84 cadeaux. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. T'es adorable, Saul Goodman, merci. Mais les compteurs s'affolent. Ça fait à peine plus de 2 ans que je suis sur Twitch et vous êtes adorable. Mais c'est tout fou. Oui, ça fait beaucoup, Saul Goodman. Ça me trouble. Merci, merci. Non, l'essentiel, c'est que je puisse vous passer des... Enfin, que je puisse vous offrir des bons moments quand je fais mon foufou en direct. C'est vraiment là l'essentiel. Après, le reste est accessoire, on peut le dire. On va pas se mentir. On en avait déjà parlé, c'est la joie des nouvelles technologies. On est peinard chacun chez soi. Merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Des zoubis. Et on peut se retrouver entre nous, peinard. Je dirais pas non à la trousse à pharmacie. Attends, le truc. Mais je suis sur le truc en fait, c'est ça. Mais je comprends pas. Je dois déposer les explosifs, mais où? Attendez, là il y a un meuble. Je relis les instructions parce que là je comprends plus. Détruire le système de contrôle. Ah, j'ai le choix du. Ah bah j'aurais pu. Ah, bah j'aurais pu à distance faire un tir et puis boum quoi. D'accord. Merde, il m'a vu. D'accord. Voilà. Oh merde, le mec qui tire du mortier. Ça a réussi. Les régulateurs sont désactivés. Je vais attendre que tu détruises le pipeline. Oh vache, attention, ça a pété.
violence. Merde, je suis... Oh non, je suis plus dans le décor. Entre le rocher et l'arbre. Merci. Putain, j'ai cru que j'allais jamais me débloquer. Alors, il y a un truc trésor en plus dans le coin pas loin. Comment ça, aïe aïe? Il n'y a pas de aïe aïe qui tienne. Oula. Attendez. Mais... Ah mince. Sur le lac du sage, pas le mien. Comment ça? Attends. Je vais faire un petit teasing sur un tout petit changement par rapport au relais de chaîne et j'en dis pas plus. Ah oui! Oui, c'est vrai d'ailleurs. J'ai fait la capture d'écran de jour mais pas de nuit. Bravo, j'ai fusionné mes écouteurs avec mon chapeau de cow-boy. Je suis condamné à le garder. C'est Erika qui va être contente. C'est elle qui voulait me faire porter le chapeau. Ah là 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 là. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas... Ah attends, le truc il est où? Ah, le truc il part là-bas. Merde. On sait même pas où il est. Non. La récompense est là? Ah oui, tout simplement. Oh oh. Oh. Le véhicule s'est fait décaloter, si je peux dire. Allez, 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 j'ai honte dans le tour. Non, je déconne, c'est que du plaisir. Eh oh, je suis là, non mais dis donc. Prétentieux. Bien sûr que tu peux pas bouger, t'es mort. Oh là là là. C'est terrible. Léon, reviens, j'ai le même à la maison. Il va faire tout le monde, ça bouge. Oh là là. Et moi, mec. Oui, tu me diras ce que tu veux comme commande, Saul Goodman, hein. Tu m'écris en MP et puis... Avec un peu de chance, si ce que tu me demandes est assez simple, je te le programme à ma pause déjeuner. Mais c'est pas vrai, non mais... Oh, soldat de plomb là ou quoi? Je confirme. Vous êtes tous des malades! Vous êtes tous des malades! Et là, tu joues la scène du visiteur avec la poste. Mais c'est des malades! Des malades, ces gars! Et j'ai du mal, hein! C'est dur! Oh, je progresse avec une lenteur. Mais je me défends! Oh, cette tuerie! Bon, allez, je prends le gros flingue, on attend pour toi, t'es mort! Allez, suivant! Voilà. Non, merde. Oh, je peux pas lancer un molotov, je suis derrière ma bagnole, ils arrivent à me toucher. Non, sniff. Je prends mes précautions pour rester à couvert. Je conteste. Il est pas là. On sait même pas où il est. Voilà. Allez hop. Ça va aller comme... Putain mais ah lalalala. J'y réfléchirai, ça presse pas, ça peut être une commande sonore. Ah oui, oui oui, tu peux, avec un peu de chance, pour peu que vous ayez pas une demande trop sophistiquée, on va dire ça comme ça, tu peux me demander un truc et j'essaie de te le faire. Oui, t'as bien raison, ce Goodman, si t'as une envie. C'est parfaitement envisageable. Il va me tuer.
Tu viens de tester la machine à sous? Oh mon dieu, je l'ai pas vu depuis... Je l'avais conçu dès le début, ça aussi, la machine à sous. Je m'en souviens plus. Je crois que je vous ai mis Roudoudou, le portrait d'un mon chat favori dans mon quartier. Ça crie Roudoudou, qui est le doyen des chats, chez moi. Ah d'accord. Ah oui non mais alors attendez là. Ma perspective de guerre est différente. Parce que si le gars est de l'autre côté de la... Merde, j'ai paumé. Il est pas loin. Bah oui qu'il est pas loin. Bah lui il m'a littéralement botté le cul. J'aimerais finir d'honorer la mission, mais je peux pas. Merde, j'ai paumé. Il est pas loin. Oh. Bon, tant pis pour le feu de l'action, mais honnêtement, ça finit par me bouffer. Je ferai ça une autre fois, parce que là... Ça se répète et ça... Bon bah, c'était Far Cry 2. On y a joué combien de temps? 2 heures au moins, je crois. Presque 3. Je vous ai gâté en Far Cry. C'était beau. Il était temps que ça s'arrête. Burp.